Commissaire Jean-Ernest Muscadin. Dit diable bonjour l'ap manje ou? Pas dit bonjour, l'ap manje ou pi red. Eh ben nan sens sa, peuple haïtien, responsable parquet Miragouane nan, posons action, encore une fois, qui fait que tout pays, tout diaspora haïtien nan, a parlé de commissaire Jean-Ernest Muscadin. Feedback là, tout moun wèl. Mais l'homme nan, mais manger rangé ya, mais garçon quand son an, c'est lui qui sous écran. Non, c'est Jean-Ernest Muscadin qui débarqué avec toute équipe li nan sorti nan département NIP pour rentrer dans Léogane. Passer prend policier Léogane. Dit monsieur yo, nous pas capable de quitter commissariat Gressier sous contrôle. Si terroriste que Nenel Kassi mette dans Dlo Mariani. Alors c'est moi qui mette Nenel Kassi. Parce que je connais Nenel Kassi, c'est lui qui mette. Commissaire Muscadin. Je dis à nous bagay dans l'émission ça. Que peut-être un pile haïtien pas fait parce que. Nous avons déjà manqué patience. Mais naturellement, nous-mêmes, en tant que famille, Zami plateforme YouTube et Foubetoyo, nous connaissons nous remet. L'homme fait exercice à yon ensemble avec nous. Et je dis, c'est exactement ça que nous allons faire. Première question pour chaque grain de nous poser tête nous. Qui côté phénomène gang nan sorti pour arriver là? Automatiquement, nous avons patience pour nous faire, pour nous poser une question. Et pour nous chercher réponse là, nous avons facilité pour nous comprendre ce qui a passé là. Et solution avec problème dans tout, la clé devant yeux nous. Et c'est ça, exactement jodi, qui c'est 14 mai 2024 là, nous venons faire ensemble avec nous. Hier après-midi, sous plateforme YouTube Infobetoa, deuxième édition Info Beto pendant journée 13 mai, nous te parlé de phénomène gang, ça qui établi dans zone Mariani et qui arrivait attaquer commissariat Gressier. Mais on sa que m'a regardé et me dit pays incapable sauter dans ça parce que moi gang yo gide moun ki opè. Muscadin qui est en route pour arriver Gressier seulement, m'a regardé pour moi quantité jeune garçon avec zam nan mais qui a pété courir qui saute boule commissariat Gressier. Pendant que yo t'es campé, yo te dit yo prend commissariat, yo prend le net et yo campé goumen. Tout nèg la gépié. Ça qui passé, Muscadin nan tête un commando chargé à policier qui sorti grand goave tigouave, Léogane et Nanip débarqué ab débarqué Gressier, tout nèg yo la gépié yo. Ça veut dire qui ça? Gang yo gen des moun que yo peur. Ça qui fait ça, c'est parce que vous connaissez, même gens qui ont tout, c'est dans le même niveau à tout, Muscadin a tout. Pas plus tard que avant hier, ou bien hier, mais oui, hier, vous avez un ami qui voyait un link, une petite vidéo que Valérie Numa a parlé de commissaire Muscadin. Avant que m'aller dans. Sous ce problème, nan m'a parlé nous, qui côté nous sorti pour nous arriver là, m'a battu un gros bravo pour Valérie Numa. Et m'a pral profiter pour me faire nous tendre intervention Valérie Numa. C'est le bagage que moi dis chaque jour et c'est position pam dans la bataille contre gang dans le pays d'Haïti. Muscadin, c'est mes zibouda bandio. Pas de moyen pour traverser ni pour Muscadin quoi avoir pour le patrouille. Ça veut dire que même je nous touye moun nan, nous gon moun kap touye nous dans dimension ça tout. Et non, c'est Muscadin. Et c'est lui qui baye do sous écran là. Ok, on nous mette un petit bout de tête ça. Mais l'homme nan, Jean-Ernest Muscadin. Et maintenant, minute n'a pas parlé là.
Miskade gonti volo ke vide a terre hier. Selon ça que nous gagnons nous comme information, Pierre Espérance a niché près de créole côté m'a parlé là. Pierre Espérance a niché près de créole dans moment n'a parlé là parce que pas oublier attaque que nous est bout de ba fait sous commissariat Gressia, Pierre Espérance pas documenté, il pas parler de lui parce que tout simplement, il connaît que c'est Nenel Kassi qui caché derrière elle. C'est pour faire avancer agenda politique Nenel Kassi et que la prend commissaire agressier de Gressia la patrie Léogane, de Léogane objectif là, c'est atterrir Grand Guave Tigouave et puis pour Chalon en face yo. Le Samira Gwane y a plein plamé yo quand c'était volo cap gagné yo tout gang yo nèg a prend tout sud le net et ben Muscadet nous dit garder garçon c'est kounia pour rassurer que ou ka mettre balle sous vagabond parce que l'idée Nenel Kassi c'est mettre gang tout partout sous côte sud là pour capable prendre département des plans parce que le besoin tourner dans l'élection qui gagne pour fête dans pays a Nenel Kassi Pierre Espérance compte toute bagaille ça yo et ça cause après gagne un petit volo que parent volo a relé Nenel Kassi relé commissaire Muscadet dit mais nous comme volo là ti gang ça gang village de Dieu vinn prendre Nenel Kassi et comment commissaire Muscadet al prendre li frappe li et ben yo fait me connaît que Pierre Espérance décide lui-même pour que li produit un rapport là pour faire comprendre que Muscadet a fait un pile crime et me te dit nous comme ça que monsieur était un rapport qu'elle t'envie produit pour te voyer dans l'ONU li pas fait pour année 2023 peuple haïtien. Maintenant, de nous veiller Pierre Espérance en haut, veiller monsieur en bas. Yo fait me connaît que monsieur déjà préparé pour crayon. Lui-même pour le préparer pour rapport ça, aller dans l'ONU à partir du mois de septembre 2024 qui vient là. Sous qui est même je nous trouve le fait pour Jimmy Cherizier alias Barbecue, Pierre Espérance a fait tout pour commissaire Jean Ernest Muscadet. Ça veut dire que étiquette gang non, Pierre Espérance pour que je nous moyen pour le mettre sous dos. Commissaire Muscadet, même Jean le fait pour Barbecue, l'a fait pour commissaire Jean Ernest Muscadet pour le faire. L'ONI reconnaître que, comme quoi que Muscadet sont véritable chef de gang, parce que monsieur Dil à plusieurs reprises, elle documente elle, parce que véritable obstacle politique, véritable monde qui campait en face de Nenel Kassi dans le département ni plan pour qu'elle pas pourri ni plan avec gang, les Jean Ernest Muscadet. Dans ce sens, ça, ou même comme peuple qui décide camper derrière Muscadet, ou gon façon pour garder Pierre Espérance en dans pays ya. Et ou gon engagement pas ou pour comprendre pour qu'on capable faire Pierre Espérance qu'on est qu'elle doit rester dans le rôle li. Et si ne pas faire puis devant capable on dit j'en regrette. Parce que cancer politique ça pensait que lycée Haïti, li doit pour faire tout le monde de bien, tout le monde cap défendre peuple haïtien mal. Parce que yo pas jamais faire rien. Même qu'on est que c'est monde qui gen cran, monde qui gen cran son taille. Qui pas dans tête pays a. Mais kourou quand son fait qui prend tête pays d'Haïti, en vérité, bon Dieu, Pierre Espérance, pas jamais capable, oser, pour la parler de dossier d'oise humain. Parce qu'on a pour côté, ou machine pas frappe ou bien ou foot prend ou, ou krason ou poudre, machine pas frappe ou. Salope sale. Qui côté Haïti sorti pour arriver là? Nous pourrons parler de ça, dans la démission ça. Mais entre temps, l'extrêmement important, pour que nous partagions, si intervention ça que Valérie Nima fait sous commissaire Muscadet et sous monde qui a attaqué commissaire Muscadet. Et me dit bravo avec Valérie Nima parce que faut jeune des monde qui gagne courage qui capable parler parole là dans niveau y a parler là parce que tout nèg de Port-au-Prince yo tout yo contre Muscadet parce que Pierre Espérance contre Muscadet parce que politicien yo peur Muscadet. Tout nèg dans micro Port-au-Prince yo contre Muscadet. Ou après APC, passer sous côté, parce que vous connaissez Muscadet, vous mangez rangé, peuple à Avel. Entendez, journaliste Valérie Nima. Entendez ça. Bandi, vous faites tout gros point, tout gros gorge, tout côté. Mais, vous connaissez ni plan, c'est tombeau. Exactement. Songez, me dit nous, pour ne pas me sous ça. Me dit nous, depuis jeudi, on est. Et. Toute flèche ou gen jodi a, c'est Muscadet estime qui problème pays a, moi metto nan même lot a bandi yo tout. Exactement. Ça veut dire que, ou soit m'te dit gen trois catégories, gen bandi yo, gen allié bandi yo, gen moun ki sou influence bandi yo. Depuis moun jodi a, moun ou wè ki mérite attaqué, et pour wè se
commissaire Muscadinlier ou son allié bandit. Ou son allié gang, ou son gang. Jodia ou son allié bandit. Aussi simple que ça. OK? Et c'est pour ça que je regrette que je n'ai pas fait interview avec Moun. Mm-hmm. Parce que Moun David Campé, c'est ça, on va raconter devant Mdabdou, mon frère, assumer responsabilité ou son allié bandit. Période. OK? Bravo. Muscadinlier débarqué, tout homme est dehors. Tout bout de bandit là, Gébié. OK, donc la police, c'est pas seulement, ou bien sécurité, c'est pas seulement on a fait de pile zam pile moyen. Mm-hmm. Non. Non. Il y a volonté là-dedans et il y a stratégie. OK? On y a bandit à Vini, par exemple. Groupe bandit, ça, qui ça a fait? Yo prend contrôle espace ça grecier résultat qu'on quantité moun qui quitté zone côté été habité yo fait 4 heures de temps 6 heures de temps 8 heures de temps à marcher pour aller l'autre côté notamment dans sud-est ou bien des côtés qui dans après Tigouave etc. D'accord ou prend quantité moun ça yo avec petit paquet en bas bras, petit paquet sous tête yo. Il y a des grands monde qui pas même qu'à marcher. Ou pour quantité de monde qui obligé à quitter. OK? Maintenant moun sa yo ou fait tout temps ça. Donc ou gon grand monde qui doit se débarquer comme leader. OK? Avec autorité li. Et puis tout n'est boisé. Tout n'est glaribié. Côté yo. Pour qu'ils ne soient pas traités. Pour qu'ils ne soient pas traités. Ils ne sont pas arrêtés parce que les gens ont peur. Parce que les gens ont connu qui ne peuvent pas venir dans la langue avec eux. Aussi simple que ça. Parce que si Bandia, comprenez le raisonnement, si Bandia vient lui tuer 50 personnes, et puis là, il finit de battre l'estomac, il finit de tuer 50 personnes, et puis bon, et la vie continue. Uh-huh. OK? Maintenant, ou sorti pour expliquer que, je dis à un contexte que nous y a, même si la population est croisée avec même monde qui finit de tuer 50 personnes, pour arrêter, ou dit que, ou même c'est pour chercher un petit code pit, Mario, pour vous porter au qui côté? Dans le commissariat. Pour vous mener au dans le commissariat qui pipe. Qui commissariat? Madame, non. T'as le bien. Pas une promotion d'autre, monsieur Valéry Nima. Papa, ici, écoutez. Gon chef de gang dans le pays qui cachait des bagages qui relè organisation qui défend droit moun. Non théorie ça, li relè Pierre Espérance. Li pi criminel que ISO 5 secondes. Li pi assassin que vite l'homme innocent. Li pi gang sale que l'amour sans jour. Li pi méchant que Jeff Canaran. Et bien, chef de gang ça lui-même. Bandi a touye moun. Tout côté Port-au-Prince. Li pa di rien. Koutan de ces peuple là qui prend gang, li dit que peuple là pa doué ba tête li justice, il doit prendre la mettre dans commissariat qui pi près a. Comment men? Volant ça pa doué dans pays a. Yo doit faire monsieur sauter quitter pays a parce que son terroriste koyé ou a protéger gang ou et puis la vie moun de bien pa vle di rien et puis ou dit que ou a défendre droit moun, droit qui moun ou a défendre si voler sans sale. Si vagabond. Et c'est ça pour nous parler dans le pays pour le moment. Mon pas ou toujours joindre une série de journalistes vicieux de Jolbokier, yo être la protéger voler, yo tolérer monsieur Jean Lier, yo il est un bête sauvage qui pas connait rien dans question bagaille comme si doit humain mais qui cachait nos bagaille autant de dou l'a défendre droit moun pour le capable faire toute qualité politique sale jusqu'à ce qu'elle touille président et puis au style tolérer dans pays. C'est gang qui s'a défendre. Et c'est gang qui s'est protégé dans le pays. Et c'est gang, monsieur, et gangsterisé, monsieur, gangsterisé plus d'avantages. Pays plus d'avantages. Monsieur, pensez le café population, pétouille gang. Et puis gang, ni même pétouille population, j'enlève le levé. Et puis la population, pour te bourrer sous gang, il faut du rapport. Il dit, ou tel et tel, li indexe son moun. Li avili moun nan. Là, le prenons le voyer dans l'ONU. Li avili ou. Li détruit ou. Et puis tout le monde campait pour regarder Pierre Espérance dans les yeux, comme si c'était comme si, normal pour camper le peuple, pour avis les policiers, faire évoquer la police dans la police, détruire le monde dans la société, assassiner le caractère président, pour ne pas trouver le physiquement, et puis tout le monde capable de regarder.
l'a fonctionné. Mais je dis, l'a préparé à Paul pour le voir dans l'ONU sous Miscadet. Pour Haïti prend ça, c'est le dernier rapport PSP ça produit dans le pays. Peuple a doué marrer au fouton bacode, commencer à battre dans toute la rue. Et c'est comme ça le doué fait. Peuple a doué marrer ou fréter ou toute la rue, faut marcher pied à terre dans le Port-au-Prince. Il va baiser tout yon. Parce que bon Dieu, doué, ou doué être là pour garder douleur, ça qu'on fait pays, ça qui mal. Puis quand on a le prince, ça pour. Pas que mon qui gagne tout yon. Il va gagner tout yon. Mais peuple a doué pour marrer ou deux bras derrière, commencer à foutre au coup de rigoise, marcher tout côté avant, pied à terre de Tony dans le Port-au-Prince. Pour payer son fait. Vacabon, il est très bête sauvage. Ou méchant pile, ou criminel en pile. Mais je dis, il s'appelle Michel Précréon pour le café, il le casse plaisir. Parce que pas oublier, élection, il y a une élection pour faire dans le pays quand même. Il le casse besoin de reprendre contre le débat manip. Pour le faire, il faut le mettre gang pas si pas là. Mais il n'y a pas qu'à mettre gang, gang avec Nenel Kassi. Chaque type de gang qui vient, le commissaire Miskade qui est le pas de espoir pour Nenel Kassi en élection. Et tout leader politique dans le pays d'Haïti, il fait politique avec un grand bagaille gang pas si pas là, mette gang avec ZAM pour contrôler le bureau de vote. Pour être capable bourrer boîte inyo pour qu'il gagne l'élection. Suivre pour dans la Tibonite. Yuri Pap jamais perdre l'élection dans la Tibonite tout autant que pas des monde qui capable mettre l'ordre dans des zones dans la Tibonite. L'a toujours gagné l'élection. Et Valier Beauplan, de ne pas contrôler le département nord de ce pays, l'a toujours gagné l'élection parce qu'elle réseau gang pâle, gang électoral li qui gagne ZAM nan pour contrôler le bureau de vote pour lui. Mais qui te mette sécurité pour elle, mette effectif dans la police pour contrôler le bureau de vote ou après l'a gagné l'élection. Surtout l'élection qui est pour faire yo. Ou a dit m'kote le balgen yo. Parce que nous là, fois ça. Et nous là, n'a pas contrôlé ou fois ça. On sait que belle là, peuple a ban ou image, ti vidéo, ti photo, à la seconde. Élection qui est pour faire dans le pays, c'est nous qui avons fait comme peuple. Et c'est nous qui avons fait choix qu'est-ce que nous voulons. Et c'est nous qui avons passé comme député, comme sénateur, comme magistrat, comme président de la République. Bon méchant. En avance, Valérie Nima parle. Qui compte gen commissaire à Pipré ça? Qui compte gen commissaire à Pipré ça? Comprenez le raisonnement? Hein? Ça ne vient pas proportionnel. On est un groupe qui vient, il y a une quantité de monde. Il y a une quantité de monde, il y a un massacre. On dit depuis qu'on croise avec eux-mêmes, et c'est qu'un béo, pendant qu'on a un gros âme, et c'est qu'un béo, vous comprenez? Et chercher un petit code pit et marrer dans bras bien 23 bananes et puis qu'on y a vous comprenez ça c'est des monde qui a rêvé ça c'est des monde qui a rêvé oui dans cadre nous état de droit c'est comme ça pour lire mais nous parlons état de droit problème là c'est que nous pas comprendre que nous parlons état de droit nous parlons état de droit état de droit a vini mais nous pas dans état de droit. Ok? Pas gen autant de ça, gen deux semaines, et gen des travail qui a fait, yo campé des machines qui sont au Port-au-Prince, qui pral Jérémy, et puis moi, yon opération qui a fait sur route campé rien. Ya! Et puis yo marré plusieurs garçons. Yo marré plusieurs garçons. Moi ralenti, me parler avec un homme qui t'a peine opération yo, qui dans opération yo, qui c'est un Udmo. Et puis monsieur confirme même que deux nègre yo kembe la yo, venu yo a tout logo bandi yo sur yo. Tout tatou bandi yo sur yo. 5 secondes et puis a vive. OK. Évidemment, yo gen chance. Yo gen chance c'est dans sud. Et pas dans Nip. Yo kembe yo. Et pas dans Nip. Yo kembe yo. Yo voye yo dans grand prison. OK? Yo mette yo dans prison au caï. Yo gen chance. Yo prend chance yo traverser Nip. Mais te gen antenne sou yo qui fait que yo kembe yo parce que moi yo campé papa dap yo campé un gros machine Jérémy, un bus Jérémy yo. Et puis al prend yo dedans. Encore une fois, yo gen chance c'est là yo kembe yo, c'est peut-être kembe yo dans Nip. OK? T'as géré yo. Yo gen chance y'a parlé, y'a expliqué des bagages, etc. Et l'an nip, pour te kembe yo. Et Miskadek pour te venir avec yo. Le sa, le kap parle de l'état de droit yo, le sa n't attend que yo vinal le. Parce que, gen d'avocat m'dan de kap parle. Mais, m'pense que, gomba yon da fer yo,
Monsieur dame avocat, monsieur avocat, les gars sont dans monsieur avocat qui a parlé. C'est pour nous aller dans la prison. Elle fait dossier pour vous, prendre dossier et puis défendre vous parce que vous avez un droit à la défense. Et vous allez défendre vous. Elle défend vous. Et vous allez défendre vous. Pendant que l'estomac, vous avez un gros tatou, 5 secondes avec l'autre côté affilié dans la gang. Ya. Ça pour nous faire, ça nous paraît tout comme nous. Nous paraît tout comme nous. Parce que ça arrive, on menti pour ne pas baisser tête. Il y a des groupes qui ont appartenu avec lui. C'est clair que lui dit, mais qui ça le fait. Automatique. C'est bandit que lié, c'est terroriste que lié. Dans nos avocats qui dit, qu'a demandé pour que, dans nos avocats qui a demandé pour que, et coup international, et contre Muscadin, des bagages comme ça. Et puis, il prend des bagailles, il doit de l'homme, il prend des bagailles, que États-Unis, tôt ou tard, a fait ceci, a fait cela. Mais réponse que je vais pour avocat ça. Le Américain a cherché Ben Laden. Il a cherché Ben Laden, c'est avec un menotte. Petit code pit. Ça avec un menotte il t'a cherché Ben Laden avec un code pit il t'a cherché Ben Laden. Ou bien c'est gros opération ZAM quelque soit côté venir pour éliminer. Éclater le et éclater le vrai. Parce que écoute, nèg la vinn on l'ennemi. On l'ennemi. OK? Ça veut dire que même lorsque tu as dit c'est l'ennemi américain, il était mais pas oublier que gon quantité pas seulement question de intérêt non mais gon quantité de monde qui victime de assaut Al-Qaïda. C'est vrai. Et moi même ça que m'a dit honnêtement par rapport avec action que ti monsieur ça opposé en dans pays a moi même toujours dit crime que nèg avec zam fait en de pays. Alors m'a profiter pour me dire bonjour. Bonsoir tout le monde dépendamment de qui ou de qui là, ou attendez nous ou regardez nous. Moi content justement comme d'habitude pour que m'ensemble avec nous aujourd'hui qui c'est 14 mai 2024. Là m'a demandé de partager émission pendant que n'a commenté, like, vous comprenez moi dans commentaire là, dit ça que nous pensez, dit ça que nous comprenne. Quittez une parole pour Pierre Espérance pour nous. C'est extrêmement important. Quittez des trois grains mots pour monsieur pour nous. Qui ça Pierre Espérance? Vous comprenez moi poser question et tout bah réponse tout. Tout bah réponse tout oui. Vous comprenez moi tout bah réponse là parce que c'est très intéressant. Nous connaissons qu'à parler avec elle et nous connaissons pas la avec elle. M'a content ouais n'a pas la avec elle dans l'espace commentaire là. Fais ça pour nous parce que nous pas jouer, nous pas jouer. Nous pas jouer avec volet. Nous pas jouer avec gang encore parce que nous gon pays que petit pays a payé cours qui te pays. Yo besoin tourner. Yo besoin tourner la caillou. Petit pays a besoin back la caillou. Et faut que nous créer conditions pour que naturellement yo back la caillou. Faut que nous gommer. Goumen pour yon tourner la caillou. Pas jouer avec volet, pas jouer avec criminel, pas jouer avec assassin. Pour engagement nous comme peuple. Pour responsabilité nous comme peuple, pas jouer avec criminel. Faut nous goumen. En avance. Monsieur, ça a tellement fait mon crier dans Port-au-Prince. Monsieur, c'est pas des moun nous nek sa otouye dans le pays, monsieur. Nek yon tue policier, yon coupe tête policier, yon prend plaisir, rache policier. Depuis que moun nan zone nan comme si ki pa vle collaborer avec yo, y a la kay yo rache petit li, rache madame, yo touye papa, yo touye toute famille net. Pa gen rapport non? Pa gen rapport que organisation droits humains a produit non? Mais kou son groupe policier kal fon massacre sou volon sa yo tout et puis organisation droits humains te gitan existé pour produire rapport. Mais policier salope tout. Si yo pa de salope, yo ta glisse son bagay tout, yo pa bouda criminel ça. Te ki le tête li, comment rele nèg ki responsable droits humains ça? Ah fou même. On paye moun sale. Même dit nous pas Port-au-Prince, c'est la République des mouns sales. La République des mouns sales. On nous dit le comme ça. Port-au-Prince, c'est la République des criminels, assassins, bastions, gang, repère de bandits, repère des mouns sales. Ou pas tout, depuis que vous avez volé les bagages, vous avez violé les petits mouns dans la province, quand vous avez caché Port-au-Prince. C'est criminel. Pierre-Espérance, pas un côté sous planète, n'a jamais capable de vivre que Port-au-Prince. Parce que c'est là tout le monde sale par elle, c'est là tout le monde sale par elle, micro tolérer, c'est là tout le monde sale par elle, politique, il y a, il tolère là. La fête, tout ça, la fête pour le fonctionner, Jean, la fonctionner là. Faut nous prudent. Ah oui, faut nous prudent.
Il va jouer qui est là. Commissaire Muscadin, c'est Mézi Bouda tout bandit. Vous voulez tout le monde clair sur ça dans l'espace commentaire là, en bon créole. Commissaire Muscadin, Jean-Valéry Numadil, c'est Mézi Bouda tout bandit. On gang. Depuis qu'on est que c'est route commissaire Muscadin fait, ou qu'on est que la vie ou fini. Ou a suspendu tout le monde. Avec Muscadin, chaque grand bandit qui est tout le monde déjà, il ne peut pas tout aider. Avec Muscadin, chaque grand bandit que le croise qui était tout le monde déjà, il ne peut pas tout quatre. Avec Muscadin, chaque grand bandit qui a fait massacre sur policier, il ne peut pas faire massacre encore parce qu'on a suspendu exister. Et messieurs, dames, Muscadin tellement montre son espoir. Muscadin sorti dans Nip, man. Bel exercice, je vais le faire avec nous là tout à l'heure, comme ça. Parce que nous avons trois chapitres dans l'émission là. Nous allons parler du dossier qu'on lève cette tête. Donc, le dossier assassinat président Jovenel Moïse et intervention président Jovenel Moïse qui cause Nagotouille là. C'est un bel exercice, pas oublier. Dossier assassinat président Jovenel Moïse là, il y a des bagages qui pour sortir dans le jour qui est pour venir là, selon ça que nous avons mené comme petit ancien. Et surtout, bon côté la justice américaine, il y a des condamnations qui pourraient le faire encore, il y a des gens qui pourraient le condamner à perpétuité, et il y a un pile témoignage tout, il y a des dossiers qui nous doivent gagner, et que automatiquement nous finissons rationnel, que nous avons tout le bagage dans le menu. Naturellement, vous mettez connaît que vous avez tout détail dans mes mains. Jacques, toujours fait le pour parce que vous connaissez que c'est toujours un plaisir, naturellement, pour que nous portions détail pour vous dans tout ça que nous allons chercher pour vous comme information. Et puis nous jouons, nous ne pouvons pas faire le bon. Et pour nous allons chercher, il faut nous porter le bas. Est-ce que nous l'avons avec moi? Et on avance. Et puis, je dis que commissaire Muscadin, apprendre que monsieur yo attaqué commissaire agressier et puis yo gen commissaire en possession yo Muscadin frappé tête li monsieur nervé monsieur parle avec équipe li monsieur dit soit nèg yo prend agressier nèg yo capable progresser vers les organes et c'est vérité oui information c'est ça oui monsieur qui te fait analyse là. Si vous progressez, vous progressez vers Léogan, de Léogan. Vous progressez pour arriver vers Gringoave, de Gringoave. Vous progressez pour arriver Tigouave. Et depuis que vous avez Tigouave, gang a vu réétabli dans Chalon encore. Et puis, Muscadin, j'ai une information. Réflexe. Alors, analyse que monsieur fait rapide sous. Et alors, itinéraire que gang prend. Ou bien ça le tracé dans la tête, les mêmes voyants. C'est exactement l'information. Je conseille une information. Et c'est comme ça que je ne dis tout. Tout le monde qui est ça, c'est l'idée, c'est Nenel Kassi, leader politique criminel, assassin SDP, fantôme section 9. Et c'est un pile soldat, on a regardé quantité de jeunes garçons qui prennent direction Gressier. C'est un pile jeune garçon. Et ils ont voyé renfort by Boudba. S'il a pris voyé renfort, comment le Kilik Bougan a voyé renfort, tout le matisse a voyé renfort by Boudba pour aller prendre commissariat Gressier. Pour aller prendre commissariat Gressier. C'est progresser à progresser vers les organes pour être capable de contrôler toute zone bolan mais à net de village de Dieu pour contrôler aller les organes net pour contrôler la mer net jusqu'à ce que pour arriver dans Nip. Et c'est ça l'idée. Et bien Muscadin dit que naturellement faut nous kei. Next ça depuis en août. Muscadin dit m'pap qui t'est arrivé. Bon qui t'a prendre depuis en août. Muscadin monte équipe li policier SDPJ dans Nip. Rap passer pour policier Tigouave, Gringoave. Tombe Léogan, ramasse Bessap, il me dit bravo avec agent Bessap, monsieur. Il me dit, alors, m'a profité de dire, nous faisons un bel bravo, un gros bravo, naturellement, pour agent Bessap. Et bat bravo pour Bessap, parce que, monsieur, montrez que vous êtes capable et vous avez volonté. Monsieur, vous mettez pied à terre avec le commissaire Muscadin. Il m'a dit, Muscadin, bravo tout, parce que vous reconnaissez et que Bessap sont force qui est capable de collaborer dans le pays en sécurité. Bravo avec le commissaire Muscadin, parce que c'est très intéressant, hein. Vous comprenez? Parce que, pas oublier, mariage Bessap, police, population, paquet de Miragouane, pas nous menti, c'est résultat total et pour le Grand Sud. Et m'espérer que collaboration ça l'irrité pour qu'il soit capable de contrôler tout le Grand Sud. Nan. Et me souhaiter que pour les organes, suspendre quitter des petits oiseaux à Jeune Muscadin. Prenez-vous depuis la route, fanez-vous depuis en l'air. M'espérer que Bessap, bien armé, pour commencer à mener des opérations, pour la frapper des bandits, pour pas même arriver à Jeune Muscadin même. Parce que des nègres. C'est n'est capable de sortir Matissan et Port-au-Prince pour lui rentrer dans le sud. Ça veut dire que nous-mêmes, nous travaillons pas fait. Pour qui ça, c'est Muscadin qui est dans le jeune? Non. Oui, Muscadin, côté lui, elle va la souhaiter jeune même, non? Elle va la souhaiter quitter Muscadin jeune, jeune petit bandit.
Il va se jeune livré, mais nous quitter Miskaden jeune yo. Ça veut dire que nous montrer nous zone nous en son passoire et c'est ça qui gagne comme vérité oui. Le soir est capable venir prendre commissaire agressé, ça montre que policier m'était connecté gagne agressé longtemps yo, qu'il on a checké toujours sous main yo, il pas là encore. Il pas là encore et avec facilité hein. Nèg yo rentré dans commissaire agressé, yo boule machine, yo boule commissaire, c'est respectant hein. Respectant monsieur. Nèg prend commissaire Matisse hein. Yo prend tout petit poste qui te gagne hein. Yo prend tout côté net bekounia rive agressé. Oh! Non mon cher. Faut que met ton frein. Faut gon frein qui mette nan nèg sa yo pour que nous gère problème nan. Et pas possible. Faut nous freiner ça le plus vite que possible. Valérie Newman finance Mavel. On va dire que américain, c'est clair. Impliquer nos quantités de assauts, yo même tout qui fait contre ensemble de peuple. Et c'est même gens tout. C'est même gens tout. Gen des bagay qui cap rivé. Gen des bagay si yo t'es arrivé. Et mais par un monde qui t'a dit pas diable tout non. Exemple, Bush fait guerre Irak là. Malgré Nations Unies opposé à guerre. Et ben les États-Unis mettaient veto. Il fait guerre quand même. Et guerre était injuste. Parce que ça a été reproché Saddam Hussein dans la guerre de destruction massive. Il a dit Saddam gagne, il n'a pas de gagne. Ça veut dire que il a détruit le pays pour le programme ici. Deuxièmement, malheureusement, il a pris monsieur et il a pris à travers justice par ce qu'il a dit, il a fait, etc. Justement, et pas de ça. Et ça, c'est l'autre bagage. Mais maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que, et selon ce que nous avons, comme si l'on a information, et bataille que le commissaire Miskaden fait, sorti avant hier, arrivé hier, quand que M. Soti vient pour te renforcer les policiers Léogan pour arriver et des policiers grisés pour récupérer le commissariat, bien que, pour qu'il y ait une disposition qui prend pour qu'il répare le commissariat, il faut qu'il répare le commissariat, mettez les policiers. Et comme si m'a dit dans condition pour le travail et pour bandi pas et pour nèg normalement gè activité dans mais pour le bandi tenter vinn attaquer encore pour gérer problème non vous comprenez moi et ça pas fait Pierre Espérance bien selon ça que m'gè comme information et ben nous connaît que Pierre Espérance te gon rapport qu'il t'a produit ça fait longtemps mais il pas capable mettre le dehors rapport ça te gè pour ta jeune madame Binian dans pays d'Haïti et en plus de ça rapport ça gè pour aller dans l'ONU Pierre Espérance gè comme mission pour que monsieur fait Miskaden, même ça te fait barbecue, mais qui est impossible. Qui est quasiment impossible. D'accord? Qui est quasiment impossible. Et faut que nous clair sur ça. Mais à partir de là, toute tentative là, et nous pas qu'à quitter le fait. Il faut que nous cueillions et dossier ça sous pied. Parce que dossier Pierre Espérance là, si nous jouons avec elle, ça fait trop bagarre dans le pays. C'est Pierre Espérance, oui, qui produit le premier rapport sur Jovenel Moïse. Et ce rapport ça, oui, qu'elle fait un mandat d'arrêt. Contre président de la République, là, oui. Et ce mandat, ça a assassiné le président, oui. Ce mandat, ça a fait première tentative d'assassinat sous président pays, qui est le président Jovenel Moïse. Et ce mandat, ça a assassiné le président le 6 pour 7 juillet 2021. Pierre Espérance, c'est le pays, oui. Et c'est Pierre Espérance, oui, qui dit que, mais qui est-ce pour mettre dans le rapport d'enquête sur l'assassinat président, oui. Il fait mettre madame dans tête de liste, oui. Il faut que vous éliminez madame, non, oui. Politiquement, vous avez besoin d'éliminer parce que madame n'a pas gagné l'élection, oui. Vous comprenez ça, ça veut dire, ça Pierre Espérance. Yon élitré, yon bête sauvage, yon ancien vol au bœuf. Yon gang. Fok nou pren disposition. Nou pa ka kite le continue. Apsia. Pwes ami, franchement, fok nou fon bagay. Li pa possible, non? Pour nou kite misia continue, non? Fok nou kri tout moyen pour nou mettre ton frère na action Pierre Espérance. Fok nou kri tout moyen, tout bagay net pour nou mettre ton frère la action Pierre Espérance. Et c'est si nous devons faire le plus vite que possible. Nous pas jouer avec ça. Faut que nous fait tout moyen qu'on capable pour nous mettre un frein dans l'action Pierre Espérance. Parce que si nous tout traiter nous concernant garder monsieur, nous juste dénoncer et puis comme si nous dit concrètement pas une bagarre qu'elle poser comme question. Ou du moins physiquement pas une monde qu'elle côté pour parler avec pour Marie-Li, foutre coup de rigoise. L'a continuer. Muscadet c'est pour nous l'a travail. Il prend des risques. Il sorti côté sorti c'est parce qu'il connaît que Grand Sud n'a pas capé. Tout le monde est grand sud de lever. Parlons seule parole. Il ne peut pas tolérer ça à continuer.
dossier Pierre Espérance ça. Il n'est pas possible, non? Il faut que nous mettons frein. Lance ça définitivement en de pays. Voilà. Commissaire Gressier, n'a pas demandé pour que tout le monde, Léogan Gressier, levé campé pour que le monde qui est responsable pour voir l'argent pour clean commissariat, pour voir l'argent pour réparer commissariat Gressier, pour que les policiers capables de jouer et meilleures conditions pour fonctionner dans le commissariat. Pardon, il faut que les fêtes. Et le commissariat doit réparer et répéter le plus vite possible. Remettez bio en dedans et puis faut policier monter créer des stratégies et pas comme si non commissariat non faut que nal mettre base des bases 20 mètres 30 mètres 40 mètres à commissariat pour policier dehors commissariat non pas comme ça attendez faut que nous commencer faut nous prévoyant men et pas d'espace commissariat pour nous occuper si bandi ont attaqué pour arriver dans commissariat c'est parce que pas de gon avant poste qui te gagne policier qui t'en résister pour être capable pas arriver. Sinon c'est sur route là nèg sorti pour descendre à mettre des avant base. Créer des stratégies. Même j'en veux dire capable rentrer dans caille percer caille pour rentrer dans caille pour arriver sur nous même nous créer stratégie tout pour nous faire. Les bandits a vini pour nous créer des stratégies pour rentrer dans caille pour nous fendre tête au grain par grain. Parce que m'a regardé côté monsieur a passé en bas au monde, il a couru là autant de miscade presque arrivé. Si tu as une stratégie pour policier tes batailles, nous t'avons un drone, nous t'avons côté yoye, et puis nous avons un temps quelque part. Le a vini, parce que ça m'a gardé, il n'y a pas une cinquantaine. Imaginez, on 5 policiers avec 5 chargeurs et 32, et puis policiers placés au côté, pour le temps de mettre sur nos axes. Même côté à peine, tout, et puis nous descendons 50 là. 50 petits bandits nous prenons, nous descendons. Et puis automatiquement, on a pris gasoline, caoutchouc, nous mettons sur yo. Et puis, on a tout allumette. Nous boulons tout tir avec yo, nous finissons avec yo. Gang bout de bat, tout kabari. Nous pas d'accord avec nous. Gang bout de bat, tout fini. Gang bout de bat, tout fini. Est-ce que nous là? Gang bout de bat, tout fini. Nous avons tout éliminé le net, nous pas d'accord avec gang encore. Mais c'est nous pour faire, c'est nous lâche, c'est nous peur. Question bagaille, policier, peur, Pierre Espérance. Sous qui base? Ou Pierre Espérance, qui s'allie? Salvo, qui s'allie t'il pays ya? Ou pelle là? S'allie autorité lié, chef lié? Chef lié ou pelle là? Attention, policier, levez tête, nous gardez tête dans miroir et suspend di madiga, mpape ou. Suspend et pe madiga ou du moins campé devant di madiga, mpape ou. Attention, et c'est comme ça pour nous faire. Et gardez tête dans miroir, arrangez nous pour nous gérer ça comme problème. N'a pas avancé. J'aime te toujours dire, bataille pays pas contre facile. Mais c'est moun qui gen cœur, c'est moun qui gen nom qui mène qualité bataille sa yo. Et depuis semaine qui s'est passé ya, alors depuis avant hier tout, il y a un peu d'amis qui voyaient de petites vidéos pour moi. Côté que yo montre m policier qui dans commissariat et Jérémy hein. Direction départementale Jérémy, gredans alors. Policier levé campé. Vous levez campé contre action directeur départemental que Soelia s'est placé dans le département. Policier levé contre lui. Monsieur son volo. Monsieur volo contre Nelvan. Monsieur créé une cellule pour que légaliser les armes illégales pour bandits criminels sans foi ni loi. Combien comme 50 000 goudes. Tendez bien, oui? Tout le monde connaît le CDCPJ qui légalise les armes dans le pays. Mais un directeur départemental, police, qui dit depuis ce vol, Gonzam, vini, ma pas réussi pour vous. Dans la direction départementale là. Pour 50 000 goudes. 50 000 goudes. Mais vini fait que un paquet de jeunes garçons, que soit il y a 5 bazam, monsieur dit qu'il bayo, fait pour machin avec Zamio, librement dans la ville là. Ça, monsieur, tout profite fait. Zam, monsieur, te volé au bord de président, mais bandit, il rentre dans le département avec vous, il commence à vendre jeunes garçons dans le département Zam. Matériel qui vient pour la police en département, monsieur Vanyo avec des nègres qui ont des amis illégaux dans le maillot. Policier ouais tout ça. Mais finalement, alors moi-même, je suis blâmé policier tout parce que je n'ai pas oublié, le moment où il y a une manifestation dans le grand pays, je suis même policier ça, a fait répression sur le peuple, vide gaz à comme je viens de ce monde, les bandits,
directeur départemental ça qu'on a fusé mon nan manifestation police pas jamais te lever pour que ça c'est qu'on y en a propose lever pas jamais faire nos confiance pour me dire on a fond bagaille c'était Marie directeur Marie de Bradé et puis commencer courir avec dans bonne moto dans capitale là ou bien on commencer prendre foutre coup de rigoise et ça qui t'a important pour moi oui t'a commencer ouais que n'a fond bataille et définitif bah ça une belle bataille qui propre d'après n'a fait et m'a comprendre réalité là d'accord et c'est ça qui est important mais si moi que c'est nous là blablabla n'a fait ce mouvement pour qu'on gagne mouvement moi ouais et naturellement non et département nord tout moi des policiers qui levé il levé côté qui a parlé de des monde qui n'a pas judiciaire en cap fait et des mouvements grain 5 vol OK des mouvements vol qu'a réglé et me dit policier yo fait mouvement nous solide nous gè droit pour nous faire pour nous demander meilleures conditions de travail si nous estimer gè des volants qui n'a pas judiciaire en cap fait mon habit ou gè droit pour nous camper pour nous défendre ça parce que son haïtien koyé pas quitter n'importe bagaille passé pas toler n'importe bagaille et m'a demandé nous si nous pense si nous gon travail que nous avons fait qui propre qui bon nous mettre connait que n'a besoin de support média en l'élan et depuis c'est nous moi même qui dit nous spécialement n'a besoin de support média en l'élan n'a besoin ni parce que moi les nous camp ensemble avec des monde qui dans société à nous camper n'a bataille n'a supporter jusqu'à kaba et c'est comme ça le doit fait son bataille propre lié son bataille pays qui lié nous devons faire par tous les moyens et commandant Guy Philippe t'es sorti et dernièrement côté que li fait des bagages extraordinaires il fait des déclarations nous te permet tout temps de yo avant hier en pile nous t'ai apprécié intervention général Guy Philippe mais maintenant ça qui est important pour nous c'est que c'est et donc qu'on est qui stratégique qu'on doit développer pour mener une bataille pour le moment et il y a des journalistes qui posaient comme Guy Philippe question sous rentrée force militaire qui a rentré dans le pays. Et qui est déjà là. Guy Philippe clair sur ça, même j'aime te dire non. Définitivement, force multinationale ça l'a rentré. L'a dans le pays. Elle est déjà dans le pays. Américain déjà mettait dans le pays. Mais c'est qu'on est qui ça peut le fait. Parce que si une base militaire qui a pris. Implanté dans le pays, nous c'est américain qui a mis tel. Et c'est là qu'on est capable de poser des questions. Si force la vie, naturellement, la besoin base, c'est clair. Mais maintenant, tout ça qui a fait là, moi c'est autorité américaine qui a fait. Est-ce que vous comprenez? Guy Philippe répond pour dire que peut-être policier gang qui a payé de tirer Mounio, le force multinationale ça là, la impossible pour payer de fusil Moun. Et c'est déclaration commandant Guy Philippe, je pensais ça tout. Et je pensais qu'il est capable, impossible tout pour les policiers qui toujours fait repression sur le peuple, la vie des balles sur le peuple, pour le peuple, pas manifester. Et Guy Philippe va aller plus loin. Quand il me dit que c'est intelligent, il me dit que le peuple a plus de facilité pour le prendre la rue. Dans mon esprit, il y a trois mois, on est capable de déraciner le pouvoir gang ça qui là. Et il me dit non, son pouvoir qui. Et va contester le contestant encore, non? Ce pouvoir qui n'a pas de crasse légitimité du tout. Et puis pendant ce temps, toute crème politique paysan, du crème politique paysan, tout baron, tout oligarque corrompu, tout voleur politique, tout vicieux politique, tout gang politique, tout kidnapper politique, tout drogue dealer politique, yo tout dans un seul bagaille qui est le système ça, qui est le gouvernement ça. Est-ce que nous là? Yo tout dans un seul bagaille là. Dans le gouvernement ça. À tout ça, yo pas qu'à mettre trois monde dehors pour battre bravo pour yo. De fait, tout pour nous est que avec M. Sayo, Haïti pas jamais de stabilité. Haïti pas jamais de la paix. Ou ap vini ou ap traque gang pour yo, pas de problème. Gang yo doit mourir, et bien gang yo mourir, le sa peuple a gen facilité pour prendre la rue, pour aller manger avec Sayo. Pas qu'on se comprenne. Oui, force pas de problème. Vin touye gang yo, touye, parce que gang nan fait peuple a pas après la rue. Police fait peuple a pas après la rue. Et bien le, nous vin avec pile américain. Pile blanc, c'est si blanc, c'est là, mettez-vous sous béton.
Le sa police n'est pas capable de tirer sur le peuple. Peuple a pour devoir prendre la rue à déchouquer 9 volants, 9 terroristes, 9 kidnappers. Et bien, tu as la pipe propre. Guy Philippe la intelligent. Moi, même monsieur en pile. Monsieur Smatamor, il me dit bravo, commandant Guy Philippe. Ça l'a fait propre. L'a fait bien. Il me bien content. Ou prendre recul ou pas rentrer dans la bagaille ça. Et quitter monsieur, rentrer dans ça ou rentrer là. Et puis nous-mêmes, nous avons une réponse là. Dans le niveau qui doit baïol, le pour baïol là, dans condition de baïol là. Et comment Guy Philippe parlait de dossier assassinat président Jovenel Moïse? Qui sont dossiers brûlants, qui sont dossiers qui ont sauté avec tout assassin Jovenel Moïse. Yo, ok? Et qui ont sauté avec tout assassin Jovenel Moïse. Yo, eh bien, comment Guy Philippe exigeait pour que lumière faite dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Président du Conseil national des marchés. Intervention ça va être sauté. Mesdames, messieurs, les représentants d'organisations internationales. Intervention ça va être sauté. La police nationale d'Haïti. Lagui Philippe déclarait que les représentants d'organisations de la société civile. C'est pas possible. Mesdames, messieurs, les panélistes. Pour un groupe de nègres. Mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée. Rentrer la caille au président de la République. Pour humilier le masque, le crabe, dans les conditions pareilles. Lancer les travaux de cette et puis, il n'y a personne qui est capable de poser une question. Constitution. Comment Guy Philippe estime que ça n'est pas possible? Elle dit clairement, tout assassin Jovenel Moïse, c'est eux qui prend pouvoir depuis 20 juillet 2021. C'est eux qui fait 33 mois au pouvoir et c'est eux encore qui décide de prendre pouvoir à travers le 9-7 tête ça. 9-7 ta. 9 tête là. Yes, yeah, wow, le ciel, oh, papa. Gardez pays, mon papa, gardez ta pays. Mais ta pays, le ciel. Moun qui pis sale yo, moun qui pis sans honte yo, moun qui pis méchant yo, et bien c'est eux même qui toujours voulait pour prendre tête l'état pays. Pour faire qui ça? Ou al souse on l'état, al souse peuple là pour fini avec population. Moi même dis ça va continuer. Il me dit oh et fort ça il va continuer. Il faut que nous créions tout moyen pour que ça va continuer. J'aime toujours dire, bataille pays pas contre facile, mais c'est monde qui gagne cœur qui toujours engagé dans un véritable combat ça. Et président Jovenel Moïse t'a fait pile fort. Dans deux dernières années, ou dans trois dernières années, justement, en tant que le territoire pour le défaut pouvoir, le président Jovenel Moïse a eu une volonté réelle pour le sauver le peuple, pour le mener, pour le faire bagaille pour le peuple, pour le faire bagaille pour le pays. Mais c'est raison ça qui cause, il est arrivé à assassiner le président ça dans la condition de l'assassiner là. Jodi an ki se 14 mai 2024 là. J'aime toujours faire nous pral faire exercice qui propre là. Exercice qui senti bon. Exercice que nous toujours aimé. Allez, côté le te commencer ya pour arriver là. Même j'en dis ou pour nous joindre attaque ça qui fait dans commissaire agressé ya, c'est Nenel Kassi qui cause li fait. Li commencé, côté le commencé ya, li ba nou gang San Mariani, de Mariani, gang David pour gros ça qu'il prend, mel menel gressier pour craser commissaire agressé. Bon côté le commencé. Et tout autant que nous pas gain le courage. Pour nous di bagay l'argent lié. Pour nous attaquer moun pour nous attaquer. Nous pas jambe une solution avec problème qu'a fin avec nous dans société ya. Et si ça me toujours dit non. Faut nous camper. Pour nos goumets.
kote moun sa yo, ki pa vle wè nou, mande nan peyi ya. Monsieur yo pa respecte moun. Monsieur yo méchant. Monsieur yo criminel, en pile. E fon kampe goumen. Fon goumen jouk sa kaba. Fon goumen pou nou permet ke peyi sa soti nan sa kel touvel lan. Et nous trouvons dans le meilleur moment pour que nous goûmen, parce que définitivement, tout volet, tout assassin, tout criminel, ils mettent tout ensemble dans un seul clan pour que nous détruisions dans le niveau de détruire. Dans le moment où nous parlons là, nous lève cette tête-là, qui a fait première acquisition machine. Yo. Combien de machines nous acheté? Selon toute dernière information que nous gagnons, selon toute dernière information que nous gagnons, dans le nous, Koulev cette tête là déjà acheté 27 machines première acquisition. Payim, tande oui. 27 machines qui t'a acheté. 9 blindés à $240,000 américains. On nous fait 9 multiplié par $240,000 américains. Première acquisition. 9 multiplié par $240,000 américains. Mettez-le, 9 multiplié par 240 000. Première acquisition matérielle, coulève neuf têtes là. Première acquisition, yo, premier matériel que vous achetez, l'écoute l'État ici, entendez bien, oui? Premier 9 machines que vous achetez. Ya. Premier 9 machines. Vous allez dans l'autre là, non? Premier 9 machines dans l'écoute l'État haïtien. $2,160,000 américains pour 9 machines. Président Jovenel Moïse, je vais chambler au garçon. Parce que vous avez une possibilité pour nous questionner voleurs, pour nous chercher dossier, vous avez une facilité pour nous rentrer dans l'État, pour nous joindre l'ossier. 9 machines blindées. Pour 2,160,000 dollars américains. Gagné 27 machines qui acheté. Eh bien, ça qui vient de moi, je te pensais que 9 l'an dans 27 là, 9 l'an pas dans 27 là. 9 l'an, il n'y a pas. 27 l'autre machine, yo a pas. 27 l'autre machine, yo y a un pile là-dedans qui va le bender. Mais pour le moment, prix que vous achetez chaque grande machine, c'est à $86,000 américains que Prado a acheté. En avance. Première acquisition, équipe qui n'a tête payée. Équipe ça qui prend par la nationale d'Assoa. Qui va même qu'elle n'a pas les mêmes. En avance. $2,160,000 américains plus. C'est bien, oui? 27 multiplié par 86 000. On va prendre là-bas. 27 multiplié par $86,000 américains. La comprenne calcul ça. Mais combien kob machine que n'ego qui t'a acheté, premier achat que l'État haïtien, que n'ego fait l'État haïtien, premier dépense que l'État haïtien fait, c'est $4,482,000 américains pour machine seulement. Hey! Toujours dit, jou peuple sa kase chen. S'il pa tourne yon tigre, la tourne yon lion. Mais tout autant n'a bal mise, n'a fèl pi fort. N'a fèl konnen plus expérience dans vili. Mais c'est pas faute nous. Nous pa l'mande yon trait au monsieur. Ou est si m'de kon chante? M'dap chante. M'dap son samba, m'dap ye oui. M'dap pren place à zor. On me. Jou peuple sa kase chen, papa. S'il pas tourne yon tigre, la tourne yon lion. Mais tout autant n'a bal mise, n'a fait le plus fort. N'a fait le connaît plus expérience dans vili. Mais c'est pas faute nous. Nous pralmons de yon très tôt, messieurs. Chien crele pit boula, c'est lui même qui nous wey. Aïe aïe aïe! M'ta chante, oui. Nek sa yo, seul moyen pour gagner la paix, stabilité dans le pays d'Haïti, ou doit éradiquer total capital la classe politique traditionnelle haïtienne. Seulement pour Haïti ralon souffle.
pour petit pays capable vivre dans pays, ou doit éradiquer la classe politique traditionnelle haïtien définitivement avec tout ça qu'a supporté. Parce que premier cancer, véritable obstacle pour la jeunesse haïtienne, lui c'est classe politique pour y sentir ça. Et si nous pas dégapio année ça même en vérité mon Dieu pays a fout disparaître. Parce que yo pas moun. Mais si yo méchant avec ou pays monsieur, tout nèg ça c'est bien vinn voler prend avantage seulement dans de peuple qui a péri. Ça va dire ni chaud ni fret, moun a moun au pays, ça pas problème yo parce que yo fait l'argent dans l'instabilité. Monsieur, c'est grave vous mettre là. Oligarque la bataille pour le gain douane nan. Pour le gain douane ni la mel, pour continuer rentrer marchandises pour le pas payer taxes. Et puis pour le peser malheureux malheureux qui dans diaspora rentrer au conteneur cap haïtien pour le pas de douanel. C'est malheureux malheureux qui doit payer taxes pour lui comme oligarque compi cap vendre tout caillou bagage dans pays pendant que malheureux malheureux là pas quand même rentrer avec produit pour le vendre dans pays là. Est-ce que le possible? Est-ce que le possible pour des politiques campés en face au peuple qui veut faire business, qui pas faire business, mais qui mettait tout le bagage au service des oligarques corrompus? Nous défendons les en deux. Et c'est ça notre bataille pour lui. Nous ne pouvons jamais remettre moi-même Beto, parce que nous ne pouvons jamais tolérer nous tout. Nous ne pouvons jamais nous savoir nous. D'ailleurs, Coco a tenu, c'est grave qu'il a nous tout. Au moins, ça met du lent. Et Coco a senti vicieux en bas qu'on a demandé nous l'argent. Moi, nous foutons qu'à fonctionner. Bonne salope, sale côté nous. Nous ne pouvons dimension pour que nous demandions une cob. D'ailleurs, cob qui nous met une cob volée qui est liée. Je comme qu'elle mange comme volé, non mais volé. Je comme qu'elle mange comme kidnapper, non mais kidnapper. Never. Un politicien Joel Bok qui a un vicieux, un volé. Nous méchants. Nous méchants pile. Nous finis avec un pays. Tout le monde qui a essayé de faire business dans le pays. Tout Haïti est capable d'organiser, faire business, rentrer dans le pays. Faire business. Mais son seul nèg, son seul groupe moun. Que politicien placé là pour le défendre. C'est oligarque combien. Nous ben nous douane pays. Nous ben déjà pays. Ministre Finance pays, Banque Centrale pays, BNC pays, ou l'ONA pays, nous baye tout. Avec des oligarques corrompus qui pillent le peuple, qui vendent des âmes pour tout le peuple, nous foutons tous les nègres dans le pays. C'est l'équipe pour vivre en paix, pour créer stabilité, il faut nous éliminer les politiciens. Et ça pour nous faire. Nous méchants trop. Et c'est grave. Nous criminels avec le peuple. C'est comme toujours dit. Jou peuple sa casse chaîne. S'il pas tourner en tigre, l'a tourner en lion. Tout autant que n'a bal misère. N'a fait crime sous lit. C'est expérience, n'a fait le fait. Et tôt ou tard, l'a fond nous en deux. Peuple ça que n'a tout pisi. N'a pas maltraité, n'a pas torturé, n'a pas vili, n'a pas fin avec là. Toi ou ta peuple ça, qui pour défendre tête li. Parce que c'est pas logique. Nous allons quitter ça, continuer. Un pays pas fonctionner comme ça, monsieur. C'est même volé ou c'est même criminel yo. Jovenel pas bien blé yo. Il pas possible. Nous allons quitter un pays à disparaître comme ça, c'est des volets dans la politique. Qu'a fin avec une société dans conditions pareilles. Haïtien ka les yeux. Nèg yo méchant trop. Nèg yo trop criminel. Nèg yo trop cruel. Faut que nous fassions bagarre avec nèg sa yo. Jovenel Moïse, nous pas jamais oublier au garçon. Nèg yo trop méchant. Il pas possible. Si pas rêve là. Partagez mission pour nous papa ici, tant vous s'il vous plaît. Même si nous pas méchant. Nawe la lune, nawe les étoiles, filer, on souhaitait pour la taille changer. Ça fait mal, les m'emplaner, pays, en état, ça, oui, fait mal, parce qu'elle pas voulait finir. Si nous fait l'union, nawe soleil levé, nawe la lune. I'm sorry.
fait mouvement politique criminel, nous assassinons le président de nos pays et puis nous étions à vivre comme politiciens. Ce n'est pas possible. Tolérance, faut que tolérance, il faut que fini dans le pays. Mon équipe n'est fait paraître premier quoi bien fait l'état haïtien dépenser 4 millions 482 000 dollars américains pour machine seulement. Mon peuple, mon grand goût, misère à tuer au peuple, oligarque compi a fait l'argent. Il va foutre possible. Depuis le pas Toyota, il pas comme si l'état depuis n'est Toyota pas faire comme balle là, peuple a mettre mouille grand goût. Son pays qui a fonctionné comme ça, son seul bon chaud diabouille, il faut que nous foutons faire chaud diabouille de bon. Ou bien il faut nous faire le bouillir dans le bon peuple là, définitivement. Mon président vient là défendre le peuple, nous venons nous tuer. Nous pas capables de quitter le continuer. Et faut que le peuple prenne toute disposition qui s'impose pour nous éradiquer la classe politique traditionnelle haïtienne qui mettait l'État paysan au service des oligarques corrompus. Nous foutons éliminer l'exemple de pays. Nous tuer le président Jovenel Moïse trop mal. Nous méchants trop criminels. Fois ça, Abraham dit c'est assez, messieurs. Nous, pape, qu'a quitté le continuer. Trois mouns mourir, trois sans couler. Nous, bah, zam pour trouver moun. Nous, vend drogue, nous, fait kidnapping. Nous, fin avec une société. Et puis, nous, passez, faut que moun campé à garder nous. Ça, faut que li suspend. Et j'en gagne moun abeille, toujours dit, faut que li kaba. Tant qu'un gamico n'a pas parlé et n'a pas gamico, nous pas qu'à quitter le continuer n'a bataille contre ça. Ça, Jovenel Moïse te fait nous nous trouver dans conditions pareilles, nous méchants trop. Chaque monde qui vient pour son bagage pour peuple ça, chaque monde qui parle pour peuple là, nous trouvons M. Doval. Oh, monsieur! M. Doval parle de changement de constitution pour que le pays ne soit pas un problème politique encore à travers. Premier ministre qui a croqué depuis en l'air, vagabond qui a fait premier ministre, ce président pas mon courant, vagabond en politique qui a fait marchandage politique, n'a pas changé la constitution. Nous assassiner M. Doval, oh monsieur! Et puis nous pensons, l'illogique pour le peuple à camper pour la garder nous, non le peuple qui a continué. Premier, l'argent que l'équipe oligarque corrompue a décidé pour faire avec l'État, c'est 4 482 000 dollars américains pour acheter Toyota seulement. Ah papa! Vous comprenez ça, ça veut dire? Vous pouvez lâcher machine pour Tibou Bout, vous pouvez lâcher machine pour chef cabinet, machine pas si par là, l'État haïtien, monsieur! On peut pas grand on peut pas mourir avec insécurité, on peut pas disparaître, on ne peut pas vivre dans le pays, mais comme un cob, on sait des volets cachés dans le téléphone pour prendre l'État pays ou pour aller piller! Il faut foutre des gars qui mal propre ça dans le pays. Même si nous, peuple, nous filer manchette, nous sommes non exayo, dans non exayo pour nous éradiquer dans le pays. Parce que y'a plus gang que Iso, y'a plus méchant que l'homme sans jour. Y'a plus cruel que vite l'homme innocent ici. Gang sale. Politiciens font seul avec oligarques pour trouver le président. Politiciens font seul avec oligarques pour détruire le pays d'Haïti. Il faut nous foutre détruire les politiciens haïtiens. Parce que si on est capable de jouer les politiciens haïtiens pour le foutre, ça va être pour craser les pays, il n'est pas capable de faire ça l'affaire. Le fait, premier problème dans ces rôles, c'est les politiciens. Premier, ça pour nous éradiquer total capital et les politiciens haïtiens. Pas n'importe qui moyen traquer, non n'importe quelle dimension, traquer. Pas jouer avec les politiciens. Tout ça, peuple a fait, tout ça qui a bon pour peuple, nous fout craser au profit des oligarques corrompus. Politiciens, c'est où le problème, non? N'a pas fout éliminer. Nous méchants avec un peuple qui est en souffrance. Si nous parlons de l'école au pays, ça va nous nicher ni fret. Comme politiciens, ou nous pas là. Un criminel. Nous faisons toute qualité de crime dans nos sociétés. Nous faisons toute qualité de bagarre. Nous sortons dans la matrice peuple là, c'est nous qui avons détruit le peuple là. Nous ne devons pas là comme politiciens. Premier problème, non? Premier cancer, douleur, calamité. Je ne suffis pas de que le peuple a monté. Mais justement, c'est politicien. De fait, la seule solution, c'est l'éradication totale capitale de la classe politique régionale haïtienne. Tout autant que nous pouvons, ou est nécessité pour nous éradiquer les politiciens, en vérité, pour nous une solution, ou pas jamais une solution avec ça. Gueule. C'est pas qui grave qui a passé là, oui. C'est pas qui grave qui a passé là. Des gens qui ont fait politique dans le pays, décident de tuer un petit pays pour faire plaisir avec des oligarques corrompus pour faire business dans le pays.
Des nègres qui font politique dans le pays. Rentrer dans le complot pour assassiner le président parce que le président a coupé le contrat pour des oligarques corrompus. Est-ce que c'est normal, messieurs, dames? Oh, monsieur, nègres, ça ne doit pas là. Il faut que nous créions toutes conditions pour que vous suspendez là. Parce que vous êtes trop méchants, vous êtes trop cruels, vous êtes trop assassins, vous êtes trop gang. Et bataille ça, moi dis nous, je fais le jouk sakaba parce que monsieur est trop méchant. Je vais vous montrer nos grandes bagailles. Est-ce qu'un politicien est obligé? Ok, assassiner un chef d'État pour ça. Parce que le président a décidé, ok, parce que le président a décidé pour que naturellement, lui couper des contrats et pour des oligarques corrompus, par exemple les VOB, contrat Blackout. Ok, le président Jovenel Moïse, justement, décidé pour le couper contrat parce que, central là pour l'État, l'État a dépassé comme là, il n'y a pas un service là, l'État a décidé pour le prendre contrôle toute situation. Oh oh, papa, maintenant, il a décidé. Il a trouillé l'État, il a trouillé le président. Et ces politiciens qui commençaient à attaquer. C'est central l'État. Le peuple a changé, ça me dit. Mais ni, on va le montrer nous. Il faut que nous allions. Mais pour qui ça, Jovenel Moïse, Dimitri Vob dans tous les jours. Mais pour qui ça, Dimitri Vob dans tous les jours. Mais pour qui ça, Dimitri Vob, tu as boulé le pays. Et peuple haïtien. Mais central va, oui, on a regardé là. Parce que l'État est ici. Même. Et on va tellement important. Pour nous, tout est là, nous quittons le président mourir. C'est qui sécurité qui ça? Mais le président Jovenel Moïse là, ok? Et nous allons regarder, le président Jovenel Moïse dans Central Varé. Qu'est-ce qui touche Jovenel Moïse pour faire Dimitri Vob plaisir? Et politiciens qui prend disposition, oui, pour assassiner le président Jovenel Moïse. Et puis, il n'y a pas de payer comme il y a le président. Mais il dans Central Varé. Le peuple a changé, ça me dit. Mais on dit que le petit reste là, c'est pour lui. Le DG, Varie, DDH, le ministre de la République qui l'a, directeur général ANACE qui l'a, je te dis que automatiquement que l'État haïtien est venu reprendre ça pour vous. Parce que l'État haïtien n'a pas reprendre l'usine pour lui. L'État haïtien n'a pas reprendre l'usine président de la République. L'État haïtien n'a pas reprendre l'usine pour vous. Parce que l'usine ça, centrale Varie, sont usines que l'État haïtien a construit en 1979. Et jusqu'à présent, moi-même comme chef d'État, je n'ai jamais eu papier qui est l'État devant nous, l'usine. Du et tout. C'est pour ça que nous avons une décision pour que l'usine ça, ça court et retourne pour nous. Je dis, nous avons des yeux, et nous-mêmes, journalistes qui là, nous voyons les médias, que l'usine va déraper. Ça veut dire que le service va commencer à faire. C'est deux centrales, Varé 1, que nous avons visité, Cap Marché, Varé 2, moi, je suis Taïwan en mai 2018. Mais matériel, l'État, oui. Centrale, ça, c'est pour l'État haïtien. Varé 1, Varé 1, Varé 2, quitte l'État ici, c'était construit central ça. C'est sous régime François Duvalier. Tout bon bagage, tout gros bagage qu'on a dans le pays, il était construit sous François Duvalier. Et c'est là, nous ne pouvons jamais quitter mon parler ça. Depuis qu'on parle ça, tout le monde qui est sauté, la tremblade. On nous garde le président Jovenel Moïse, justement qui était dans central Varé. Mais devant central là. Il a visité central Varé 1, il est allé dans Varé 2. Centrale, ça a été construit en 1979. Deux centrales ont coûté l'État haïtien 120 milliards de goudes. Vous entendez? 120 milliards de goudes. François Duvalier a été construit centrale, ça pour l'État haïtien. René Préval, caca clairin, vicieux, volé, pas contre femme. On prend si vicieux, si volé. Eh bien, il a fatra les vobles, il rentre dans le complot. Pour le faire comme pal, par en bas, madame n'y a fait 900 000 dollars américains chaque mois. Dans le contrat, Jocelyn Brivet a fait 370 000 dollars américains chaque mois comme comptable en chef dans son génère. Parce que pas j'ai oublié ça. Jocelyn Brivet était comptable en chef en dedans son génère. Salaire était plus passé 300 000 dollars américains chaque mois. Vin de mentir? Ben tout y est président. Ben assassin. Ben gang sale côté nous. Ok? Et mais justement, Central Varie, vous regardez là. Pour ne pas capable de gagner central en possession, et bien même la famille Vob, yo voyez font tentative pour bouler, mettre du feu dans la centrale là. Avant que yo, yo allemand de Préval, contre barre question barre contrat courant. Yo rend central dysfonctionnel. Et puis après, yo propose Préval question barre contrat courant. Yo fait Préval Bayo, central Varé. Qui pour l'État haïtien. Et puis, yon fait Préval Bayo, fait BNC Bayo yon prêt.
y a un prêt qui c'est 30 millions de dollars américains, messieurs, dames. 30 millions de dollars américains. Y a un petit peu qui pas qu'à manger. Y a un coco à senti vicieux, corrompu, nèg sale. Même cheveux, il pas qu'à, je ne sais quand goutte pour le payer, pour le faire. Si machine qu'elle te gagne, c'est matin, elle te qu'on a vendu pour le manger un dirible, pour le manger un spaghetti à petit lit, tellement coco à ta pas de soigne. Ça va gagner longtemps. Préval bali contrat. Yo bal 30 millions de dollars américains dans BNC pour la réparer qui central l'État haïtien quoi. Monsieur réparer même motel l'État haïtien yo. Li pas même faire dépose 10 millions de dollars américains là-dedans, li prend cob blanc, la investi en Dominicanie dans usine pour produire baleine en Dominicanie avec l'argent l'État haïtien, l'argent BNC. Li pas mettre cob blanc, les responsables BNC a prendre touche faut touyer. Yo tue monsieur. C'est un délicat quand on est garçon et ou t'es capable de dossier ça clair. Yo tue, monsieur. Central l'État. L'argent l'État. Et puis, monsieur, signe un contrat avec l'État. Pour ben l'État qui ça? Courant dans central l'État. Avec qui gaz? Li prend gaz dans main l'État à crédit. Monsieur, dame! Oh, monsieur! Dis qui est-ce qui a joué un privilège dans nos pays ça? Yo pas il pays a rien du tout. Tant de qualité privilège, on a joué nos pays. Et même service là. Ou pas une volonté pour bailler. Ou sont méchants. Ou sont corrompus. Ou sont gang sales. Ou sont terroristes. Yo doit fendre en deux comme petit volet. Méchant. Oh! Non, mon cher. C'est pas possible ça, messieurs, dames. C'est pas possible. On continue à garder le président. Directeur général Anassé qui l'a. Yo te dit que automatiquement que l'État haïtien. Devine reprendre ça pour parce que l'État haïtien pas reprendre l'usine pour lui. L'État haïtien pas reprendre l'usine président. L'État haïtien reprendre l'usine pour vous. Parce que l'usine ça, Central Varoua, sont usines que l'État haïtien a construit en 1979. Et jusqu'à présent, moi-même comme chef d'État, je ne vois pas papier qui est l'État devant nous une usine ça. Et c'est pour ça que nous avons une décision pour que l'usine ça, ça pour vous, il retourne pour vous. Je veux dire, nous regardons à Jum et nous-mêmes, journalistes qui là, nous voyons les médias. Que l'usine n'a pas dérapé. Ça veut dire service pour commencer à bailler. Justement. Deux centrales, Varoua 1, que monsieur nous avons visité, Cap Marché, Varoua 2, moi je suis Taïwan en mai 2018. Moi je suis allé et l'homme est allé, je ne suis pas allé. Mais on est sur d'autres présidents. Ou est tout ça que tu as commencé à marcher là? Central Varoua, tu as commencé à marcher? Tu as commencé à marcher? Central électrique, Cafou, tu as balancé? Tout campé net depuis les autour du président. Ça veut dire raison assassinat président, c'est exactement raison ça. Dimitri Vop, nous pas j'oublie un garçon. Ou la fou. Ou pas sur prendre tenir en silence sur président assassiné et puis aïe qui gen là, ou fou garçon. Président parle tant des garçons. Raison assassinat président c'est ça. Maintenant, dans la avec président méchant. Sénat dans la président chambre des députés. L'État taïwanais prête nous 150 millions. Pour nous te faire à travers pays là. Réseau électrique, parce que ça me plaît pour nous comprendre. Ce n'est pas produire l'électricité qui est difficile. C'est construction réseau. Parce que je dis route côté pour moi, parce que c'est le plus gros pour quelqu'un. Et là, nous arrivons à Taïwan avec gros monsieur, ça veut dire docteur Calix, directeur EDH, ministre de la République. Ils ont expliqué nous qui ça nous besoin pour nous mettre construire réseau électrique dans 51 communes dans le pays qui n'ont pas de réseau électrique. Je voulais parler par exemple dans le département Nord-Est de commune Capoti, commune Montorganisé, commune Montbencoche, commune Caris, commune Vallière, commune Perche qui a un problème réseau. Dans le Nord, je voulais parler de commune Dondon, commune Pilac, commune Boy, commune Plaisance, commune Baron, la Victoire tranquille qui a un problème réseau. Dans le département l'Ouest, je voulais parler de commune Pointe-à-Raquette, Ansagalais. Nous voulons parler de commune Cognon, de commune Fonverette qui va bien réseau. Dans le département Nord-Ouest, nous voulons parler de commune Île de la Tortue. Nous voulons parler de commune Chansol, commune Bassin Bleu, commune Bédéenne qui va bien réseau. Voilà. Et... c'était apparition président Jovenel Moïse et dans centrale Varoua 2. Après, il était sauté passé dans Varoua 1. Maintenant, en avancé. Pour aller suivre une intervention que le président Jovenel Moïse a fait pour nous. Et c'est vraiment intéressant
pour nous vivre ça ensemble avec nous. Tendez là avec un pile intérêt. Du Conseil national des marchés. Parce que pour nous comprendre, le président a une volonté pour qui ça que politicien fait dans le pays d'Haïti. Et la parlé, mais ça parlé sérieux là. M'a invité nous tendez avec un pile intérêt. Président Jovenel Moïse, président peuple là, président nation. Tôt ou tard, tout haïtien a fini par comprendre que ou te gen volonté réelle pour te faire bagay pour pays ça. Entendez président Jovenel Moïse. République. Mesdames, messieurs, les représentants d'organisations internationales, messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs, les représentants d'organisations de la société civile, mesdames, messieurs, les panélistes, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée. Je me réjouis de lancer les travaux de cette cinquième journée de l'économie sous le thème « Constitution et élection pour une bonne gouvernance ». Ce thème est à la fois déterminant et crucial pour le pays, car le contexte actuel est marqué par un débat constant sur la tenue des élections et les difficultés que pose l'application de la Constitution de 1987. D'ailleurs, pendant toute ma campagne électorale, je disais chaque jour que la stabilité politique est le premier des biens publics. Et il ne peut pas, il ne pourra pas, en aucune façon, avoir de stabilité politique sans de bonnes élections dans le pays. Je tiens à vous rappeler que les élections constituent la seule et unique voie à suivre pour renouveler le personnel politique, améliorer la gouvernance économique et garantir la stabilité politique au profit de l'intérêt général. La gouvernance économique, qui est en débat ce matin, fait référence au mode de gestion de l'État à travers ses institutions et les mécanismes de régulation pour mieux piloter les politiques économiques. Je veux parler de fiscalité, budget, politique monétaire et commerciale. Et pour assurer leur impact réel sur le développement socio-économique. Conscient d'un tel enjeu, j'ai instruit d'organiser cette journée gouvernementale en vue d'offrir un espace de dialogue, de discussion et d'échange avec les acteurs concernés par la question de la Constitution et des élections pour apporter les réponses viables pour une transformation émancipatrice du système politique national. Mesdames, Messieurs, depuis la campagne présidentielle jusqu'à mon accession au pouvoir le 7 février 2017, j'ai prôné une transformation de l'appareil étatique et une meilleure participation des citoyens dans la gouvernance du pays. C'est en ce sens que j'ai fait de la réforme de l'État un axe majeur de mon programme politique et que j'ai pris la décision d'organiser dès mon arrivée au pouvoir, les États généraux sectoriels de la nation, je savais pertinemment qu'avec de telles ambitions, les blocages et les obstacles viendraient de toutes parts obstruer la voie du changement et du progrès. Le changement, c'est un mot qui fait peur. Le statu quo, c'est ce que certaines fois, je dirais, des élites de ce pays ont décidé d'appliquer. Mais malheureusement, ce temps est révolu. Nous sommes arrivés à un carrefour de l'histoire de ce pays où nous devons dire la vérité, nous regarder l'un l'autre dans les yeux. Nous ne pouvons plus mentir à ce peuple. Ce peuple qui a passé, je dirais, plus de 2 siècles à souffrir, où les élites de ce pays ont décidé de son avenir, ont décidé de sa transformation,
Aujourd'hui, le moment est venu de dire la vérité crue à ce peuple. Un pays où tous nos indicateurs sont en rouge. Et pourtant, Haïti reçoit des milliards de dollars, je dirais. Et nous dépensons beaucoup d'argent dans différentes réformes. Réformes dans le secteur de l'énergie, réformes dans l'éducation, réformes dans la santé, réformes dans l'environnement. Et pourtant, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Le peuple demande une réponse à ces questions. Le peuple veut savoir pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous autres Haïtiens, pour, je ne veux pas dire redémarrer, mais pour démarrer ce pays. Parce que de la mort de Dessalines jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre entre nous. Sur le plan politique, comment parler des partisans du chaos, je dirais, parce que pour moi, il y a des gens qui, des maîtres nageurs en Haïti qui nagent souvent dans les eaux troublées, qui n'aiment pas nager dans de l'eau claire. Et cette eau troublée, soutient toujours l'instabilité à travers des manifestations violentes répétées auxquelles s'ajoute, comme vous le savez tous, le phénomène de pays loc qui a décapitalisé surtout les petites et moyennes entreprises, les véritables moteurs de l'économie nationale. Ces fauteurs de troubles ont fait le choix d'attiser la violence politique plutôt que d'opter pour un dialogue entre fils et filles d'une même nation pour favoriser la bonne gouvernance et faire triompher la cohésion nationale. Il convient de noter également la dégradation du climat sécuritaire qui entrave la libre circulation des personnes, des biens et services avec l'amplification des gangs armés. Pourquoi faire de la politique? Je suis à la tête de ce pays aujourd'hui, je me pose la question premièrement. Je pense que la politique, si quelqu'un décide de le faire, c'est pour servir. Pour servir les gens, pour servir le peuple. Et ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Et ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent dans les grandes villes. Et pourtant, il y a des gens qui considèrent la politique comme une ascension sociale. La politique n'est pas une ascension sociale. Ce problème nous donne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons des gens qui font de la politique, mais qui sont en panne d'inspiration. Parce que quand vous avez un discours, et ce discours ne peut pas, vous ne pouvez pas l'innover, à ce moment-là, vous n'avez pas la capacité de mobiliser, de plus mobiliser les foules. Et quand vous n'avez pas cette capacité, vous passez directement à la violence. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. Le pouvoir vient du peuple. Si vous voulez diriger le peuple, il faut avoir l'aval du peuple. Et si vous, ça pas, pays vous ne pouvez pas le diriger. Et va ça on a pays, ça, président. Et au fin tout là, et au fin tout là, vous cachez devant téléphone et blanc fait tout pour vous, vous mettez au premier ministre. Et au fin tout là, vous faites 33 mois, à voler, à piller, à bouter dans le pays. Et puis, il y a 9 cachés dans le téléphone pour blanc comme météo président. 9, nous avons 9 présidents et 9 présidents qui sont là, oui. Après, au fin de tout, c'est 9 présidents qui sont là, oui. 9 présidents. 9 présidents. Même docteur Claude Joseph n'a pas été président tout, oui, président. Vous comprenez? Même docteur Claude Joseph, petit garçon là, oui. Petit garçon là, il n'a pas été président tout.
d'ailleurs là, président. Et problème, président, en avance, entendez, président. Mm-hmm. Si vous êtes contre les élections, vous êtes contre la démocratie. Les élections, c'est le seul moyen pour avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la terreur. Ce temps est révolu. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la violence et l'intimidation. Ce temps-là est révolu. Mais, malheureusement, il y a des gens qui pensent que la règle pour diriger le pays, c'est la transition. Les élections sont considérées comme l'exception, la règle. Mais les inconditionnels de la transition, vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pays. Un système de kidnapping téléguidé, dans l'unique objectif de provoquer l'exaspération de la population par la peur, la violence et l'intimidation. Mais c'est sans compter sur l'intelligence du peuple qui ne se fera jamais complice de ces sales et honteuses manœuvres de déstabilisation. Sur le plan institutionnel, l'appareil administratif et les institutions portent la marque des pratiques de corruption, de trafic d'influence et de captation des ressources publiques au profit des intérêts particuliers. Ces pratiques constituent un énorme frein à la bonne gouvernance économique. De plus, les autres pouvoirs publics ont fait du marchandage et du blocage institutionnel un outil politique pour parvenir à des fins partisanes non profitables au bien-être de la population. Vous êtes tous ici présents, témoins des difficultés qui entourent le choix d'un premier ministre et des membres d'un gouvernement, ainsi que tous les autres dossiers vitaux pour la nation, par exemple l'électrification du pays, pour lesquels nous avons cherché vainement l'adhésion et la cohésion de l'ensemble des pouvoirs de l'État. L'État est fait pour servir, mais malheureusement, en Haïti, avec l'avènement de l'ère démocratique, avec cette nouvelle constitution de 1987, nous avons mis sur pied malheureusement un État prédateur, un État sensu. C'est cet État que je dirige aujourd'hui. Et vous êtes ici ministre, premier ministre, vous faites partie de cet État. Vous devez vous mettre ensemble pour changer cet État. C'est un État pourri. C'est un État qui est entre les mains d'une oligarchie corrompue. Volé. Qui est en train de nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Un pays divisé. Mm-hmm. Un pays appauvri. Un pays où ceux qui vivent dans les régions, ceux qui vivent très loin de Port-au-Prince ou bien très loin des grandes villes, pensent qu'ils ne sont pas des Haïtiens comme nous. Et pourtant, ils sont des Haïtiens. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'accès aux services publics. Et pourtant, ce sont des Haïtiens comme nous. Nous sommes des ministres pour ces gens-là aussi. Je suis le président de tous ces Haïtiens aussi. Le premier ministre est le premier ministre de tous ces Haïtiens. Le gouverneur de la Banque centrale, il est le gouverneur de la Banque centrale de tous ces Haïtiens. Et pourtant, ils ne sont pas des Haïtiens parce qu'ils n'ont pas de droit. Et c'est pour ces gens-là que moi-même je parle, depuis ma campagne électorale jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit haut et fort que les choses doivent être changées. C'est triste de voir aujourd'hui encore, il y a des gens, des septagénaires, des octogénaires, qui parlent de la transition, qui pensent qu'ils peuvent, en fait, continuer à garder ce pays
dans cette situation délétère. Mais malheureusement, il y a une génération, cette génération dont je fais partie, qui dit non aujourd'hui. Nous sommes courageux pour dire que vous avez dirigé ce pays d'une très mauvaise manière pendant les 30, les 50, les 60 dernières années. Nous disons non aujourd'hui. Et nous sommes prêts à nous asseoir avec vous parce que vous êtes nos aînés. Mais vous devez savoir que juchés sur les épaules de nos aînés, nous pouvons voir plus loin qu'eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la tête de ce pays, nous sommes prêts à parler, à discuter à tout le monde. Mais nous ne croyons pas dans des solutions cosmétiques, des solutions que nous pouvons considérer comme des bouillons réchauffés. Ces solutions qu'on cherche à nous imposer depuis les 34 dernières années, aujourd'hui, nous autres à la tête de ce pays, nous disons non. Nous voulons de l'innovation. Nous voulons des solutions qui vont en fait aider les populations des zones les reculées à sortir de la misère, de la crasse. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons des solutions pour transformer l'État, cet État prédateur, en un État serviteur. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Et nous ne voulons pas vous laisser derrière. Nous voulons, avec vous, fils et filles de ce pays, bâtir ce pays, avoir des solutions applicables pour laisser un pays meilleur pour les générations futures, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui dans l'électrification, le projet d'électrification nationale que nous avons aujourd'hui. Sur le plan économique, il a été planifié de créer un chaos économique et financier afin de pousser la population à rejoindre un mouvement politique séditieux et subversif, démarré le 6-7 juillet 2018. La monnaie nationale, à savoir la goutte, a été l'objet d'attaques récurrentes. La spéculation s'est établie en règle au détriment de l'intermédiation financière, considérée comme la mission centrale des institutions financières. Celles-ci semblent bâtir leur plan d'affaires sur la dévaluation de la goutte. Pour preuve, à mon arrivée au pouvoir, le taux d'échange était de 69 gouttes haïtiens pour un dollar américain. Au mois d'octobre 2018, soit un an plus tard, le taux d'échange est passé de 69 gouttes à 93 gouttes pour un dollar américain. De mars à août 2020, le taux d'échange est passé de 97 gouttes 7 à 121 gouttes 17 pour un dollar américain, soit une hausse de 24%. D'environ 6 mois. Mesdames, Messieurs, les grandes décisions économiques que j'ai prises ont bouleversé les intérêts de groupes puissants qui ont alimenté le désordre et l'instabilité politique. Oligarques et politiciens. Ces blocages et attaques que je viens de rappeler ont eu pour principal objectif de précipiter la chute de mon administration et d'ouvrir la voie à la transition. La transition est, depuis de nombreuses années, le modèle politique de certains acteurs qui ont horreur des élections, qui ont peur des élections, qui ne veulent pas de l'élection dans le pays. Ils contestent systématiquement les résultats des élections par la violence. C'est pour ça aujourd'hui, le Conseil électoral qui est là parmi nous, je l'ai dit, je suis une victime. Je veux que les résultats partiels des élections soient connus le soir même. Le soir même, justement. Aïe, aïe, aïe. Et puis 8-9 heures. Et vous ne baillez pas. Et c'est la là. Et c'est ça que pas j'aime faire en Haïti. Et ça doit faire partie du décret électoral que je vais signer. Parce que les élections que nous devons en fait considérer comme la règle, est considérée comme l'exception dans le pays.
C'est pas possible. Nous devons laisser un pays meilleur pour les générations futures. Pour faire face à ces blocages de toutes sortes et soutenir la bonne gouvernance économique, mon administration a réalisé des actions de grande envergure, comme le pacte de gouvernance économique et financière signé le 23 juin 2020 entre le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque centrale, visant à limiter les incidences de la situation des finances publiques sur la conduite de la politique monétaire. La stabilisation du taux de change comme résultat de diverses concertations entre les acteurs économiques et les opérateurs financiers et l'adoption du mémorandum d'accord conclu entre le gouvernement haïtien et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et les associations patronales. La décision du gouvernement de pratiquer le cash management pour éviter de recourir au financement monétaire des déficits budgétaires et l'arrêté du 30 août 2020, fixant la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice fiscal 2019-2020. La création, la mise en place du conseil d'administration et le lancement de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, dont la mission est d'accroître l'offre de l'agriculture par le financement des exploitants et des projets agricoles. La mise en place du conseil d'administration de la Banque populaire haïtienne, la réforme dans le secteur de l'énergie, l'allègement du processus et des procédures de passation des marchés publics favorisant une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des travaux, la redynamisation des institutions de contrôle comme l'IGF, l'ULCC et l'UCREF, la mise en œuvre des programmes tels que le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, favorisant l'entrepreneuriat, l'accès au crédit et la création de richesses indispensables au développement économique. De plus, mon administration a adopté deux documents stratégiques majeurs. Le programme de modernisation de l'État, PME 2023, dont l'un des piliers repose sur la réforme des finances publiques et de la gouvernance économique. Deuxièmement, le plan de relance économique post-Covid-19, pré-POC 2020-2023, dont certains piliers sont consacrés à la diversification de l'économie et au soutien des PME pouvant garantir une croissance économique solide. À ce titre, je tiens à féliciter le Premier ministre et son équipe gouvernementale pour avoir pris les mesures appropriées et les actions adéquates dans l'intérêt de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, en devenant président de la République, j'ai trouvé un État faible, incapable d'administrer son territoire, de réguler le système économique et financier, marqué par une logique pesée sous ses. J'ai trouvé un faible niveau de cohérence entre les actions du pouvoir central et celles des autorités locales, un déséquilibre entre les pouvoirs publics, la difficulté d'application de la Constitution et une obsession de négation des élections pour conquérir le pouvoir par la transition. La réalisation de cette journée tombe à point et je souscris au diagnostic qui met en évidence les fondements constitutionnels et électoraux des problèmes de bonne gouvernance économique, à savoir les défaillances dans l'orientation globale, la planification et le pilotage des politiques économiques, la multiplication des risques de conflits entre l'exécutif et le pouvoir législatif, résultant d'un déséquilibre dans la répartition des pouvoirs de l'État, la faiblesse des dispositifs d'harmonisation entre l'État et les collectivités territoriales, la situation de conflit permanent entre le président de la République et le Premier ministre, le vide institutionnel récurrent causé par la tenue irrégulière des élections. Nous sommes aujourd'hui à un tournant historique qui nous interpelle à réexaminer profondément le système politique et à faire les choix qui s'imposent pour une meilleure gouvernance, et ceci à tous les niveaux. J'invite les acteurs politiques, les groupes organisés de la société civile et chaque citoyen
à s'engager dans le respect du jeu démocratique qui mettra le pays sur la voie de la transformation et du changement réel. C'est la responsabilité de chaque citoyenne, de chaque citoyen, de faire preuve de dépassement pour prioriser l'attachement à la sauvegarde de la nation, à la sauvegarde de la souveraineté nationale. Peuple haïtien, frère Maxime, yo, haïtien qui vivent dans quatre coins pays, mon qui vivent dans BDN, dans Tibiron, dans les Iwois, mon qui vivent dans Grand Gosier, dans Sapit, mon qui vivent dans Cognon Grand Bois, mon qui vivent dans Bois de l'Ouest, Sylvestre, mont organisé, mon qui vivent dans diaspora, ça qui vivent en France, aux États-Unis, au Canada, mon haïtien qui vivent dans Guyane, dans la République Dominicaine, dans Chili. Mener un pays à sous chemin de développement, c'est une volonté, je ne vais pas suspendre manifester, non souci pour arriver à transformer la vie de chaque haïtien et chaque haïtienne. Volonté PAM, d'ailleurs, c'est lui, qui fait que dans pile turbulence, en pile problème, et en pile bagaille parfois que je paye. Ces décisions que nous prenons pour nous mettre l'État dans le service peuple. Volonté PAM, c'est combattre force fait noir qui veut quimber l'État en otage. Volonté PAM, c'est être griffe monde qui comprennent que l'État c'est yo, que l'État c'est pour yo, sur l'État. Tout ça, c'est une façon pour nous dire nous. Pas qu'à gagner bonne gouvernance économique sans nous pas m'accorder à une bonne gouvernance politique. Dans ce sens, ça, référendum sous constitution à élection, c'est deux plus gros outils peuple a gagné en main pour décider qui j'en voulais pour payer l'organiser. Qui m'a de l'État livré et qui bénéfice les rejoindre pour tête pâle. Pour petite li ak petite petite li. Comment pour comprendre qu'on peut li pa gen droit pour le dire comment le vle pour le diriger, pour le diriger lui-même? Comment pour comprendre en dame, en constitution, il met le peuple là-dedans? Comment pour comprendre en dame, constitution, un groupe moun qui est le diaspora qui met le peuple là-dedans? Il met dehors. Et c'est la peuple qui veut décider pour dire mais qui est livré pour venir diriger. Pouvoir pas prendre un petit passe-coute. Pouvoir pas prendre un amitaille. Nous-mêmes, nous pas prendre un petit passe-coute. Nous pas prendre un amitaille pour voir peuple. Pouvoir prendre une élection. C'est peuple qui peut bailler pouvoir et c'est lui qui peut choisir le monde qui lui fait confiance. C'est le peuple qui doit mettre destin. C'est lui qui doit mettre destin dans le choix qu'il a fait. C'est pas personne. Nous-mêmes, nous croyons dans faire démocratie triompher. Nous croyons dans l'alternance politique, dans l'équilibre pouvoir public. Nous croyons dans l'élection. Moi-même, moi là, je vais aller. L'homme va aller, le monde qui va venir, c'est le peuple qui peut dire que le monde est. Ce n'est pas gros ennemi dans votre prince. Ni gros ennemi politique, ni gros ennemi économique. Nous avons un gros ennemi, peuple haïtien. Je suis goumé pour me tourner le pouvoir à Bali, pour lui-même le choisir, le monde qui vous dirige. Et j'aime quand on est le pouvoir à Bali, c'est dans l'élection. C'est là, on est qui veut diriger le pays, sur le tapis de rêve, réveillez-vous. Transition finie. Bye bye, mon soko. Ça finit net. Pas rien ça encore parce que Farine n'a pas vu dans le même sac là. Pas rien pression, pas vu parler de Kozak président dans les oreilles que il y a un problème. Le seul problème qui vient aujourd'hui à son problème, élection. Avec dit tout le monde, chaque pas un bot à l'acheter, mettez des bottes, montez dans le monde. La campagne.
fait formation pour nous connaître dans pile monde dans pays qui pas connait fait formation pour comprendre ou même discours pour qui sont les vannes, sont les dire qu'on gagne pour dans Jacoutou. C'est ça je dis pour rien pour faire. Mais si c'est dans la radio était toujours on a toujours fait 1% dans l'élection, 0,50%. Après, c'est voler l'élection en amour. C'est pour ça. Après, vous n'avez l'élection, pas qu'à quelqu'un qui a un boulet de caoutchouc, le résultat, c'est pour qu'on ait même vous soit. Pour tout le monde qui perdit, qu'on est perdu, ça gagne qu'on est rien. C'est difficile pour un monde qui a fait politique de comprendre que il y a une retraite dans toute bagaille. Moi, mon arrivé, même sur mon job, mon arrivé, c'est pour ou à la retraite. Ça veut dire, l'État m'a fait en retraite là, c'est 25 ans, c'est ça. Après 25 ans qu'on fait, dans la fonction publique là, ou dans la retraite. Même si dans la politique là, tout faut une retraite. Il faut une retraite dans la politique. Faut une retraite pour la jeunesse venir on y a les mêmes, les vignes pour placer, pour venir faire politique. Parce que politique, j'en nous dis, moi-même, pendant 4 ans, expérience que je fais là, je comprends que politique fait pour servir les gens. C'est pour ça que pendant le président marche dans tout le pays. Je servir les gens, bonne décision de mettre les gens dans le dernier côté dans le pays. Ça, c'est les mêmes nous connaissons qui ça te fait. Qui quantité du fait qu'elle mettait dans le pays. Mais pas oublier, peuple là. J'ai eu ce cléo là. Ou eu ce cléo avec gros caoutchouc, gros lumière, du feu. On va le cléo avec électricité, avec bon courant. Parce que lumière, ça a eu ce bas ou là, son lumière qui détruit, ou son lumière qui boule à faire, ou son lumière crasée, brisée. C'est pas dans la lumière, ça me quitte. Et c'est pour ça. Tout le monde qui a besoin de pouvoir, je vous dis là, c'est pour aller dans l'élection. Pour venir dire que nous-mêmes, je dis à commencer à faire l'électricité, pour venir dire dans Jacoutou comment on va continuer. Parce que nous avons quitté un document qui pour montrer toute réforme électricité, pas à pas, nous prenons, parce que nous avons quitté un document pour nous dire réforme électricité entre 2020 et 2030, mais comment vous le faites. Pour tout le monde suivre, ça veut dire que vous venez pour un pouvoir. Je dis, on a commencé lui-même. Nous dit c'est dans une série de zones, c'est diesel, c'est solaire. Dans le document, il va y avoir exploitation d'énergie éolienne, il va y avoir exploitation de biomasse. Ça veut dire qu'il va y avoir une date tout qui est pour vous faire. Ça veut dire que c'est ça aujourd'hui à vous faire. On nous construit ensemble. On nous suspend de détruire. On a détruit ensemble trop longtemps. Et c'est ça qui mettait nous là aujourd'hui. Qui fait nous gagner respect notre peuple. Sur la terre. Nous sommes le premier peuple noir indépendant. Nous sommes en accroche. Nous sommes pour pouvoir. Nous sommes pour nous passer coûte. Nous sommes pour nous toujours là. Parce que au moment que vous ne pas là encore. C'est pour d'accord. Le temps pour la fini, parce que le génie n'a qu'un siècle. Le temps pour la fini, c'est le temps pour l'autre. Qui vient? C'est pour que le haut que table a desservi. C'est pour retirer quoi? Ou bien on l'autre équipe, on l'autre groupe monde, ou bien la jeunesse place pour eux-mêmes, pour être capable de mener notre pays à côté que nous devons mener. Nous te songé, l'homme fait que mon président mettait sous pied un gros comité, je voulais parler de groupe monde qui travaille sur l'état général sectoriel. Là, nous fouillons, j'ai gardé le rapport comité pilotage avec secrétariat technique état général sectoriel nation. Sous affaire gouvernance politique, dans ce qui concerne l'élection à la constitution, je dis à clair, constitution 1987 là, c'est une source d'instabilité politique qui empêchait l'État de faire bon genre de développement et puis assurer une bonne gouvernance économique. On prend l'exemple. Diaspora a participé à l'activité économique du pays. N'a voulu passer plus passer 3,5 milliards de dollars dans le pays chaque année. Le diaspora n'a pas participé dans rien qui n'a pas avec politique. Diaspora n'a pas participé dans rien.
limite diaspora, c'est directeur général. Diaspora pas comme ministre. Diaspora pas comme premier ministre. Diaspora pas comme député. Diaspora pas comme sénateur. Diaspora pas comme président. Mais content de vous voir comme, j'aime toujours dire, un seul verbe qui conjugue, c'est verbe, le verbe envoyer. Je dis à diaspora, livre conjugué, on l'autre verbe qui est le verbe participer. C'est ça le débat. Je voulais venir dans tout ça qui a passé dans le pays. D'ailleurs, nous connaissons, en plus le monde qui connaît et qui a un gros moyen comme haïtien, c'est diaspora. Je dis, il faut nous faire pas pour eux, pour permettre qu'ils capables de venir dans le pays, venir travailler, venir investir. Problème équilibre dans le pouvoir public. Le pouvoir public n'est pas jamais gagné le chita tout bon vrai. Nous plutôt été pour nous coller mosso, pour jouer coquin, pour nous créer. Ça veut dire instabilité. L'entendez, nest la douce politique m'a fait. Mais politique quoi fait? Politique fait pour qui ça? C'est pour le bien-être collectif que politique fait. C'est pour nous vivre plus bien. Nous pas capable faire politique pour ou capable chercher les gens pour mettre profit en bas pied président pour le tomber ou même pour une fonti coup. Pour mettre profit en bas pied pour le ministre pour le tomber pour fonti coup. Politique doit faire pour servir le monde. Depuis 34 années, c'est seulement trois présidents qui vivent fini mandat. Je n'ai pas oublié, je me toujours dit. Je suis supposé 7e président. Après 34 ans, je me suis dit tout président net. Je n'ai pas oublié, parce que le président, je vous oublié. Je m'oublie si le général Abraham a fait 48 ans, président. Je m'oublie ça. C'est pour nous mettre tout président. Ça veut dire que c'est 19e président. Exactement. Et je suis supposé 7e. Ça veut dire qu'il y a 12 présidents passés qui n'ont pas supposé président pendant 34 ans. C'est pour montrer un problème. Nous passons 33 premiers ministres. Ça veut dire que premier ministre ont passé en moyenne seulement une année dans le gouvernement. Comment vous dites pour capable de mener nos politiques de développement de nos pays? Même la constitution, ça dit que le président est un mineur. Ça veut dire que le président vient faire élection. Son premier ministre qui est là pour implémenter toute action, toute promesse président. Premier ministre, ça n'a pas qu'à faire. Mais non, ce n'est pas mon cap, c'est la réalité. Il n'a pas qu'à faire plus qu'un an dans tel gouvernement. Moi-même, je suis exemple. Dans le 4e sur 4e premier ministre. Ça veut dire pour me dire que nous comprenons. Nous n'avons pas qu'à parler de développement comme ça. Je dis à Abse à Pété, c'est pour nous peser. Gros savé dans le pays d'Haïti, gros intellectuel. Mettez vos lunettes pour nous. Ouais. Nous n'avons pas de moyens pour continuer à faire payer à ça. Nous entendons qu'il y a des gens qui ont demandé pour force morale, yo, pour mettre la tête ensemble. Mais pour mettre la tête ensemble pour la transition. Hein? Mais je dis à force morale, pas mettre tête. C'est force immorale qui met tête ensemble pour transition. Volé. Force morale a mettre tête ensemble pour élection. Ça veut dire que c'est des situations qui sont compliquées en pile que nous vivons. Et les situations sont un gros problème. Pays pas jamais développé comme ça. L'air que des gens qui là pour prendre décision pour l'avenir en pays, et puis, côté lié à la goumer pour le rester là. Malé nos élections, nous faisons campagne. Première élection, il y a annulé le sommet. Dans la première élection, il y a des gens qui étaient en élection ensemble avec moi, qui étaient candidats pour le président. Dans la deuxième élection, vous êtes candidat pour le sénateur. André Michel. Et puis, deuxième élection, ça a fait qu'on y a aujourd'hui,
bon calcul arithmétique, pas comme côté, ce sont qui fait nous montrer que c'est la première élection me dépasse. Mais oubliez, si c'est eux qui crasent la première élection, on ne peut pas bénéficier de propres erreurs. Erreurs, justement. Ou te crasent la première, ou font ils coûte. Maintenant qu'on y a, ça vous nous fait. Comme on une nouvelle constitution, un référendum, mettez là dedans après chaque 5 ans président, il faut un an de transition. Laissez-la dans la loi. La plus simple, nous n'avons pas besoin d'aucun brigadaille. Donc le président finit l'aller et puis petite transition, nous faisons un coup de panneau et puis élection faite pour l'autre monde. Mettez-le. Parce que c'est ça, c'est vérité ça que nous refusons de dire. Nous avons trompé, nous trompé le peuple ça trop longtemps. Nous faisons toute vie, nous avons mal menti. Élite, réveillez-nous. Réveillez-nous parce que je dis à notre tête l'État, je comprends bien ce que l'État veut dire. Je comprends qu'en Haïti, le plus gros employeur gagne, c'est l'État. Je comprends ça. Mais pas faire gros l'estomac, gros poignet. Venez nous chiter à parler. Soubez un petit mot sur place pour là, pour chercher un genre, gros baoul. Mais pas faire gros poignet comme ça. Vous comprenez, c'est une crasse brisée. Que nous prenons peur. Ou bien nous courir. Pour bon genre élection, va faire dans le pays. Mais là, nous allons nous courir nous-mêmes. De vous faire qu'elle nous saute, chita nous chita. Chita nous chita. Ça veut dire. L'important pour que je dis, pour nous gagner une constitution côté peuple, car est clair là-dedans, mes amis. Faut peuple là, est plus clair. Faut le comprendre, c'est pour ça, texte, c'est pour le clair. Comble le coq. Pour nous comprendre clairement, côté où on voter, pour qui ça va voter. Et c'est pour ça, me demander ce bout de texte-là. Il faut le publier, il faut le sortir pour que nous commencions à voir qui côté, pour que le débat commence à faire sous lui. Mais ça n'est pas bon, mais ça qui est bon. Il faut que le texte-là public, parce que si le référendum, la date que le Conseil électoral a été proposé pour le 25 avril, là, pour nous respecter, nous avons dit à Gentan, nous avons fait le mois de janvier, 28 janvier, ça veut dire qu'il faut nous mettre. Mais retirez bas là, retirez l'en bas mal là côté là, mettez le dehors pour gros savoir dans le pays comment ça regarder, pour les gens qui sont dans la province, comment ça l'île, pour comprendre, pour discuter. Maintenant, l'université, le président Kopia qui là, ça veut dire voyez by tout le monde, tout côté net. C'est un exercice transparent qui vous fait. C'est pour nous voir le bail tout conçu là, pays d'Haïti, dans tout côté, sous la terre. Zanmi nous dans l'international, là, vous voyez le bail de Boulil. Vous voyez le bail tout le monde, tout leader communautaire. Et puis tout, il faut que j'empêche, il faut faire rapidement pour traduire tout en créole. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français. Il faut que le monde qui ne comprend pas le français tout, pour être capable de comprendre ce qui est dans le texte. Pour eux-mêmes, pour vous faire proposition par eux. Ce n'est pas la constitution président qui vient faire pour lui, ni l'équipe qui a le pouvoir vient faire, pour tête. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets ça, c'est sous ça que le gouvernement l'initiel. Parce que lui-même, le gouvernement qu'on est clair que année ça, son année, il est là pour le faire, élection à référendum, même j'avais pour n'en faire nous. Nous ne pouvons pas arrêter parce que tout le monde connaît l'on peuple. Bon mandat, bon moment fini, ça allait pour aller. Pour que l'autre monde dirige. Ça veut dire, monsieur, dame, qui dans le comité consultatif indépendant, nous connaissons nos indépendants, c'est vrai, nous ne pouvons pas avoir une pression. Mais l'État, pour dire à 28, pour. Nous sommes capables de mettre bas là dehors pour tout le monde comprendre, pour ne pas marcher pressé. Ça veut dire que nous avons pratiquement 3 mois de référendum. L'État bon pour le premier débat qui commence à être fait
C'est ça où il est. On souffre pas rien, les gens me dit. La gare est en bouillie. Pour ça, comment c'est fait Kounia. Pour tout le monde commence à faire réflexion. Parce que la constitution, ça, je nous dis, pas de droit de gagner monde qui dehors la donne. Pas de droit de gagner monde qui dehors parce que c'est dans le monde dehors qui met nous là. Oui. Chaque temps nous mettons l'équipe monde dehors et puis nous gardons l'union dans le pire. En 1987, nous faisons constitution, nous dit tout le monde qui a voté pour l'article 291. Ma coupe balade. Nous faisons 10 ans, c'est ma coupe la cap dirigeant, nous prenons 10 prochaines années. Ça veut dire, quand l'élection faite en 1988, en janvier, le président élu démocratiquement, tout le monde content, nous n'avons pas de quelqu'un de pouvoir. L'élection faite en 1991, nous n'avons pas de quelqu'un de pouvoir. Ça veut dire pas qu'à dire monde par la donne. Dès pour entrer là, l'autre groupe ça, c'est ce qui est fait pour entrer la donne. Il a toujours campé les mêmes pour faire résistance contre. C'est pour tout le monde ensemble. Et c'est pour ça que la Constitution nous dit c'est pour inclusif. C'est pour le texte là, inclusif pour ne pas gagner aucun monde que vous mettez dehors la donne. Pila bat bravo. Traite passé au baguette. En tout cas, bataille l'a continué. Président Jovenel Moïse a continué à parler. Et ou après, position parlant, c'est parce qu'il a fait bagaille pour le peuple qui cause de l'assassiner. Ou même comme peuple, qu'a les yeux, comprendre monsieur yo, et comprendre sa gueule là, pour capable bataille contre sa gueule là. Que bon Dieu bénisse chaque gagnant nous, qui t'attendait et garde mission. Que bon Dieu bénisse Haïti chez nous. Moi, je vais nous en pile. Qu'en est là?